est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est de retour cette fois? Est-ce que cette fois-ci c'est bon? Est-ce que cette fois-ci tout fonctionne? C'est une horreur ce nouveau X-Split, je suis vraiment désolé. On est bon, on est pas bon? On est bon, on est pas bon? On est bon, on est pas... On est bon! Non? On est bon, on est pas bon? On est bon, on... Ok, c'est re! Alors vraiment désolé, ce nouveau X-Split est une instabilité de port. Je suis allé voir sur le site, et effectivement, ils sont au courant. Mais non, ils ont pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être une priorité pour eux, ce bug, et corriger ce bug. Donc voilà, mais en fait, il faut savoir que le nouveau X-Split, lorsqu'on change de scène trop rapidement, eh bien, ça freeze le X-Split. Ça continue de streamer, il n'y a pas de problème, mais moi je n'ai plus aucun contrôle sur le logiciel. Bon là apparemment ça n'a pas planté, donc on va croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Bon du coup, ça fait déjà 5 minutes qu'on blablate et que j'essaye de faire fonctionner ça. On va pouvoir se lancer, donc vous avez l'IP juste au-dessus de ma tête, et nous allons nous faire du... de l'UHC. Oh ok, 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 il y a déjà du monde, très bien. Bonjour, bonjour. Il est au trampoline, merde, j'ai raté le trampoline, je voulais leur fausser compagnie, mais c'est raté. Attendez, ils sont là. Bon, bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Ok, allez, du coup. On va sur UHC. On va aller se faire. On va commencer tranquillement par un petit 1v1 day 1h. Il y a un serveur avec 2 personnes sur 40. On va aller dans celui-ci. Ce sera parfait. Non, on a plus de crash là. C'est bon, Imoods. On est d'accord. Non, c'est bon. Moi, j'ai le retour du chat là. Ça fonctionne. Pour une fois, ça fonctionne. Alors, 1v1, 1h, no... Day 1h, c'est ça. Je crois qu'il y a les specs, mais c'est pas grave. On va y aller comme ça. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Tu es très beau, t'inquiète pas. Merci, Topicat. Merci. Non, non, mais X-Speed, c'est vraiment... c'est horreur. Et j'ai vu, c'est qui c'est c'est Elforis qui a dit pas sur BS. Le problème, c'est que j'ai à peu près encore une année et demie de licence sur X-Split, et il y a quand même masse de choses qu'on ne peut pas faire sur OBS qu'on peut faire sur X-Split. Donc moi, je préfère largement... J'ai déjà testé hein, OBS, mais je préfère largement X-Split à OBS. Alors, on va juste espérer que ce bug soit corrigé bientôt. Voilà, tout simplement. Un live sauvage apparaît, mais pas du tout, c'est planifié depuis une semaine. Il est dans la partie pour StreamHack. Qui donc? iMoods. Ah, il y a iMoods dans la game. Bah, on a iMoods. On a Vindark qui est là également. Alors, je sais plus comment il faut qu'on soit pour que ça lance. Connectez-vous. Vous avez l'IP au-dessus de la tête. Venez jouer. Il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes combien? Vous êtes 58 sur le stream pour le moment. Est-ce qu'on arrive quand même à remplir une partie ou pas? Je me suis mis à regarder toutes tes anciennes vidéos dans Star. J'y passe ma journée. Continue comme ça, c'est génial. Bah, merci beaucoup, Topicat. Je sais qu'il y a énormément de monde qui apprécie beaucoup Don't Starve, et du coup, je m'y suis remis, et je surkiffe, Alors, la petite partie modded saison 1, c'était une partie de chauffe, on va dire. Et c'est moi qui ai un... Non, c'est lui qui a des particules. Non, c'est moi. Non, c'est lui. Ok. Donc, c'était la partie de chauffe, et là, la vraie saison modded saison 2, là, elle est lancée, et elle est lancée pour un moment, j'espère, en tout cas. D'ailleurs, ça me fait penser, je suis tombé sur un streamer, c'est un de vous qui me l'a tweeté. Un streamer Don't Starve qui en est à 3400 jours de survie. Sa map ne ressemble plus à rien. Sa base, elle est monstrueuse. Il a genre une zone avec 80 coffres. Il a une zone où il a fait spawner 15 campus différents qui sont en train de courir. C'est assez impressionnant comme truc. Je l'avais host d'ailleurs sur ma chaîne il y a quelques temps. Et c'est vraiment impressionnant. Le mec, il a tryhard, mais comme pas possible sur sa game. Je sais pas comment il a fait. Après 3400 jours, il arrive encore à trouver des choses à faire et à avoir des choses à faire. Donc voilà. Voilà. Alors je vois à l'instant qu'il y a encore 22 personnes qui sont sur mon chat à moi et qui me regardent depuis là. Ah mais il n'y a pas le host. Le host a sauté. Attendez, il faut que je refasse le host. Host au gaming TV. Voilà. Donc du coup je l'ai dit, ça ne sert à rien parce qu'ils m'ont pas entendu. Je vais leur dire dans 30 secondes. Mais si jamais il y a encore des personnes qui sont sur ma chaîne Twitch à moi, n'hésitez pas à venir sur la chaîne de gaming pour pouvoir chatter, parce que moi je ne vois pas le chat de ma chaîne à moi. Je suis allé voir son stream quand on a parlé sur Twitter. Ouais, on est d'accord, hein, c'est un truc de barge. Il a bloqué le compteur de jours, il est à 3499 jours et ça avance plus. D'accord, ok, très bien, donc il a fait planter le compteur de jours. En même temps, les développeurs, je suis pas sûr qu'ils étaient... je suis pas sûr que le jeu était prévu pour ça de base. Pour aller jusqu'à 3000 jours.
Bonjour Faucheur. Ah bah y'a Camille qui est là aussi, j'avais pas vu. Allez, ça y est, on est 20 dans la game, ça va se lancer dans 120 secondes. 120 secondes, et si on est que 20, bah ça ferait une petite game tranquille. Non, on est 21, voilà, ça continue de monter. Il vous reste 2 minutes pour vous connecter à la game si vous souhaitez venir jouer avec nous. Et les viewers arrivent tranquillement, pépère, et bien bienvenue tout le monde. Je sais que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des jeux avec plein de cubes sur gaming, mais vous allez voir, c'est un jeu fort sympathique quand même. Vous allez pouvoir le découvrir, il n'y a pas de problème. Attends, je vais juste me mettre à l'aise avec mon clavier. Voilà, comme ça, normalement, on devrait être bon. On va pouvoir se lancer. Je vais vérifier si tout se passe bien absolument partout. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon. Très bien, parfait. Ils croyaient que tous les joueurs allaient mourir après 3 jours. Ah non, quand même pas, mais je pense pas qu'ils avaient prévu que les gens tryhardent plus de 2-3 ans sur le jeu. Alors que là, le mec, il en est à sa 12e année, je crois, sur le jeu. Donc bon. Et d'ailleurs, il y a une vidéo de gameplay qui est sortie de l'extension. L'extension qui sort bientôt. Et ça a l'air plutôt marrant. Il y a les plages, il y a le sable fin et tout. Ça va être assez cool. Donc on se refera une partie quand le DLC sera sorti. Je sais plus comment il s'appelle, mais on verra. OGL The Peak. Oh, hey, salut Ouyon, comment ça va? La forme? Tu vas bien? Hey mec, ta game... tes qualifs pour la BlizzCon, on les a regardés en direct du Meltdown Grenoble. Il y avait tout le monde qui était en train de mater tes games au Melt. Et j'ai tweeté un petit peu trop vite, j'avais tweeté une photo GG avec la photo, mais c'était la première game du BO3, je crois. Malheureusement. Bon, c'est pas grave, Ouillon, ce sera pour la prochaine fois. T'es là? Oh putain, les mecs, on a un pro gamer Hearthstone qui est en train de jouer là. Ouillon, ah oui, il y a Ouillon qui est là, effectivement. Voilà, c'est parti dans 3, 2, 1. Et ouais, on était tous en train de mater, c'était casté par Younid et Lohello, je crois. Ou Younid et... je sais plus. Mais en tout cas, il y avait le direct qui était au Melt. Et voilà. Mais au moins l'année prochaine, tu auras le droit de partir à Prague, ou je sais plus. Oui, c'est à Prague cette année, je crois. Hein. T'auras le droit de partir parce que tu seras... T'auras 16 ans, t'auras le droit d'y aller, voilà. Tout simplement. Allez, du coup, on est parti. On va ramasser... Le premier mois, dites-moi si le volume est bon ou pas. Eh, hey, bonjour Poilman, comment ça va? Bon, on voit que Fury n'est pas en stream ce soir. Hein. On a Poilman, on a Camille, bonjour. Vous allez voir, c'est mieux que les streams poilus ici. Allez hop, on fait comme ça, hop. Comme ça, on se fait la première pioche. Et on est parti. On est parti. Alors, j'avais déjà l'âge pour y aller. Ah bon? Ok, ok. Ah, c'est minimum 13 ans. D'accord. Ah oui, donc effectivement, t'avais l'âge. Mais du coup, bah, ce n'est que partie remise. Je suis sûr que t'as 15 ans, donc t'as encore large le temps de perf, encore plus qu'actuellement. Et on te suivra. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ouillon, les gens, c'est un des meilleurs joueurs Hearthstone au monde. C'est un Belge et il n'a que 15 ans. C'est quand même vachement impressionnant. Allez, du coup, les outils... Hache, pioche, épée, four. Nickel. Tac, on se débarrasse de ça, on va chercher directement les vaches. Ensuite, on va chercher de quoi avoir des pop-hommes. Ici. Alors, j'ai pas joué à Minecraft depuis... un bout de temps. Donc, excusez-moi. Mes hits hésitants et mes crafts un peu lents. J'ai pas joué depuis... Ah mais oui, depuis vendredi. Vendredi soir, on a tourné. On a tourné Skydev 3 avec... Il y avait Sifano, il y avait Enti, il y avait Fuka. Et c'était vachement cool. Je vous spoil rien, mais alors le fight final était complètement barge. Complètement barge. Les gens sur le Mumble étaient en folie. C'était vraiment cool. Et début de diffusion samedi pour Skydev 3 sur YouTube. Alors, est-ce qu'on peut trouver des arbres, s'il vous plaît, pour avoir des pommes? S'il vous plaît. Alors, j'espère que la musique ne va pas striker. Normalement, c'est une playlist de musique libre de droit, mais je suis pas persuadé que la précédente était libre de droit. Parce qu'étant donné qu'il y a les rediffs sur WoW Gaming, c'est un peu relou si
Le son est muté sur la rediff. Je verrai ça. Alors, donnez-moi des arbres, donnez-moi des arbres. Je regarde tellement peu de stream en ce moment, je ne vais que là où il y a des boobs. Pourquoi t'es sur le stream de Fury alors, Paulman? Oh, ça parle mal, elle va encore me frapper. Non, Fury, me tape pas! S'il te plaît! Ah, j'avais pas eu Topicap qui a dit, je t'ai connu avec Minecraft, et c'est cool de te voir dessus, même si je préfère Isaac et Don't Starve. Bah, je t'avoue qu'effectivement, moi, je joue beaucoup plus à Isaac et à Don't Starve qu'à Minecraft. Hein. Minecraft, j'y joue vraiment très peu. Hors événement et hors stream, enfin, surtout hors événement avec les potos, je vous avoue que hors stream, je n'y joue jamais. Vraiment. Bah oui, j'y joue avec les potes quand on fait des events. Je prends toujours autant de plaisir à jouer. Mais plus du tout en solo de mon côté, sans rien autour. Bon, on va attendre que ça accuse un peu. Et j'ai toujours la voix cassée, c'est horrible. C'est horrible. Tu as une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube. Est-ce qu'elle n'est pas indiquée? Est-ce qu'elle n'est pas censée tourner? Normalement, elle doit tourner quelque part. Ouais, elle va apparaître par là en bas, alors qu'il y a un délai... Putain, mais XP, ce qui bouffe de la RAM de... à plus savoir qu'en foutre. Non, c'est bon. Elle va apparaître par là, ou sinon tu tapasses The Pix tout simplement sur YouTube. Et tu trouveras... Donc c'est le stream à moustache, si jamais. Allez, on y va comme ça. Ça va suffire, je récupère ça. On mange un coup. Et on est bon. Mais il me faudrait des pommes, bordel. Et en plus, c'est un nuage, c'est une heure seulement, donc faudrait qu'on se bouge un petit peu le fion. La moindre, quoi. La moindre. Ah, il y a quelqu'un qui est passé par ici. On a du désert. On a de la neige. Mais on n'a pas la transition entre les deux. Il n'y a pas un arbre à pommes. Ah, là-bas, trouvé. Trouvé. Alors, le stream ce soir durera jusqu'à 23h. Après moi, ici même, sur Gaming, vous retrouverez Vinsec, qui vous fera du mix en live. Moi, personnellement, c'est ce que je vais regarder. Et puis, voilà. Et sinon, au programme, donc, demain soir... Bah, voilà, Topic 4, on en parlait. Demain soir, on se fait du Don't Starve Together. Je serai en compagnie, en tout cas, de Mademoiselle Yudoku. Qui sera également en stream de son côté. Je vais voir si Nehru et si Fury sont intéressés à venir jouer avec moi ou pas. Si je fais le harem d'As de Pique, As de Pique qui stream avec 3 meufs qui jouent avec lui, on verra. Alors du coup, nous avons des arbres à pommes. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est des pommes. Allez, ça. Donnez-moi les pommes. Bon, alors sinon, alors là, je m'adresse spécialement aux viewers qui sont spécialisés sur O-Gaming, qui sont plus des viewers d'O-Gaming que des viewers d'As de Pique. Bon, après, je parle à tout le monde, bien évidemment. Qu'est-ce que vous regardez comme compétition e-sport? Parce que je sais qu'il y en a que sur O-Gaming, bah, c'est très spécialisé sur LoL et sur StarCraft 2. Ils ont également une chaîne sur Hearthstone. Pour ma part, en fait, mon StarCraft 2, j'ai décroché il y a bien 2 ans, je pense. Avant, j'étais vraiment à fond sur StarCraft. D'ailleurs, c'est comme ça. C'est via StarCraft que j'ai connu Pomfétude à leur début. Pomfétude, puisqu'il y avait, je crois, 3000 abonnés quand je me suis abonné à l'époque. Je monte un petit peu son jeu. Je crois qu'ils avaient 3000 abonnés quand je me suis abonné à eux. Et j'étais complètement malade de ce qu'ils faisaient. Je regardais absolument toutes leurs vidéos. Et après, bah justement, ils ont lancé O-Gaming, d'où, en plus, aujourd'hui, c'est un plaisir, un honneur de streamer sur O-Gaming, parce que, justement, je suis Pomfétude depuis des années. Après, j'ai un peu décroché, maintenant, StarCraft 2. J'ai arrêté de jouer un peu après la sortie de HOTS, d'extension HOTS, hein, pas du jeu. Et j'ai décroché les vidéos et le stream, je pense, quelques mois après. Et sinon, moi, je regarde du Hearthstone, LOL, pas du tout. Moi, LOL, je suis sur... à fond sur Hearthstone et enfin sur Hearthstone. LOL, il faut savoir que j'ai un compte bêta de LOL et que depuis la bêta, donc ça fait quoi, 5 ans, je suis niveau 13. Donc vous voyez bien ce que j'ai joué. Donc voilà. Alors du coup, vous regardez ZRT Cup,
Ah, mais c'est pas d'e-sport ça. Enfin, il y a de l'e-sport sur. Sur Trackmania, mais la ZRT Cup, c'est la même chose que quand moi je fais des tournois Minecraft, je veux dire, c'est pour le fun. Badge Geek, StarCraft 2, Heroes of the Storm et Super Smash Bros. Alors, Super Smash, j'ai déjà regardé un peu. Moi, je pensais avoir un bon niveau. J'ai regardé des compètes, je me suis dit, ok, je suis une bouse. Et HOTS, Heroes of the Storm, j'ai pas mal joué, j'ai beaucoup plus croché qu'à LOL. Mais après, je reste en niveau casu et je regarde pas de stream, ça m'intéresse pas plus que ça. CSGO aussi, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup regardé de CSGO pour ma part. Après, CSGO m'a fait complètement enrager il y a 3 mois de cela. Et autant je suis un joueur depuis la 1.5, et je pense que j'avais jamais désinstallé un CSGO de ma vie depuis 1.5, autant là j'ai désinstallé CSGO depuis 3 mois et j'ai plus envie de jouer à ce jeu de merde. J'étais shérif. Et en fait, tellement de cheats, tellement de rage, la communauté est tellement pourrie que bah, j'ai abandonné. J'en ai eu plein le cul, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, je sais que la communauté CS est réputée pour être une communauté pourrie. Faut savoir que... En Suisse, il y a une immense LAN, 2 fois par année, ça s'appelle la PolyLAN. Et pendant 6 ans, il y a eu CS qui était banni de la LAN parce que la communauté CS était tellement pourrie qui foutait en l'air, qui foutait la merde dans la LAN. Et c'était pas une petite LAN. Hein. Avant, c'était une LAN de 200, et maintenant, c'est une LAN de 1000 personnes. Donc, c'est quand même des LAN plutôt intéressantes. Donc, voilà. C'est quoi ton pack de textures? Alors, je ne sais pas, c'est Softcraft qui était sur le chat avant. Je sais pas si encore là qui me l'a fait. Soft, si tu peux me dire sur quoi tu t'es inspiré. Je crois qu'il y a sur le Matox, mais je suis pas sûr. C'est As de Pique, lui. Oui, c'est moi. Coucou. Coucou. Et pourquoi je stream sur cette chaîne? Et bien tout simplement parce qu'on m'a proposé. Et donc voilà, donc tous les mardis 20h-23h je ferai du Minecraft sur cette chaîne. Alors là c'est la 2e semaine que je dis ça, je sais. Mais à partir de la semaine prochaine je vais essayer de le faire fonctionner. Mais à partir de la semaine prochaine, normalement vous aurez des streams spéciaux sur Minecraft, c'est-à-dire de la Terre du Cube et des jeux que vous voyez peut-être pas sur d'autres streams pas trop souvent. Donc voilà, bon j'ai 5 pommes, on est pas mal, j'ai de la bouffe. Ouais j'en ai assez. J'ai pas la putain de canne à sucre. Honnêtement, 50 minutes, ça va être limite de trouver la canne à sucre. Bah voilà, un peu de bouffe. De faire les enchantes. Voilà. Tu vas faire des vidéos avec Sifano. Oui, il y a une vidéo vendredi... Non, samedi. Samedi, il y a Skydev qui commence. Où il y a bah, notamment Sifano, mais avec plein d'autres, évidemment. Mais je suis dans l'équipe de Sifano, dans Skydev 3. Et vous verrez, c'est vraiment pété. Bon, tant pis pour la canne à sucre. On se cache. Je vais vous prendre un peu de charbon pour que vous y voyez un peu mieux qu'à travers une pelle. Après t'en refais un. Oui, on en fait jusqu'à 23h. Bah voilà, bah oui, il y a Sirdan, évidemment, qui connaît la PolyLAN. Parce que Sirdan, je l'ai rencontré à la PolyLAN. Alors malheureusement, Sirdan, enfin pour tous ceux qui sont à la PolyLAN cette année, pour ma part, je n'y serai pas à celle de novembre. Je crois que c'est novembre ou décembre. Je n'y serai pas, mais on va essayer de venir avec des potes pour celle d'avril. Pour la huge, on va essayer. Donc voilà. Non, elle n'est pas en ligne la map Terre du Cube, pas encore parce que je l'ai pas, je l'avais pas réparée. À l'époque, je l'avais pas réparée. Maintenant, normalement, elle est réparée. Mais pour le moment, elle n'est pas en ligne. Bon, il y a rien d'autre ici. Je vais prendre encore un peu de charbon. On va descendre. Tu peux spoiler un peu Skydef. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est une saison complètement ouf. Complètement ouf. Elle est vraiment super. Il y a eu du très beau monde. Il y a eu des très très beaux combats. La saison est pas trop longue. Vraiment, pour une fois, c'est pas comme KTP qui dure 15 épisodes. Là ça dure vraiment pas longtemps. Enfin pas longtemps. Relativement pas longtemps et ça c'est très. Mais alors très agréable. Bon d'accord j'ai compris, attendez. Chat settings. Hidden, voilà, pas de chat. Chat désactivé, activer le chat pour jouer sur Epicube. Sérieux, on est obligé d'activer le chat. Bon bah je vais le masquer alors. Vidéo settings. Non. Ils sont sérieux là? On a pas le droit de masquer le chat, shown. Et scale. Voilà, 10%. Et je l'ai réactivé, salopard. Eh hey, salopio! Chat settings. Ah ouais, mais d'accord, il faut. Sean, voilà, il est mis. Voilà, comme ça on voit plus le chat. Comme ça on peut plus m'insulter. Oh non, ils vont rage quitter la game, c'est ça? Oh merde! Oh, j'ai pas vu qu'il y avait un gros trou là. Bon bah tant pis, j'ai perdu 2 coeurs. C'est pas grave, mais au moins on a dû faire. Au moins. J'ai laissé gagner à Trackmania. Tu peux pas test, Sirdan. Tu peux pas test. Non, j'ai un bon niveau sur Trackmania Forever. Sur
Mais ta gueule, le chat est activé, va chier, saloperie de... Tu veux plus grand, c'est ça? Tu veux qu'on m'insulte, c'est ça? Bon, d'accord. Vas-y. Laisse-les m'insulter. C'est bon, il est activé, mon chat. Casse-couille, là. Oh, alors ça, par contre, je vais aller le report aux admins d'Epicube pour dire que c'est vraiment de la merde, ça. Attendez, si je fais une petite déco, quoi. Epicube. Est-ce que si je fais une déco, quoi, c'est bon? Ok, là, c'est bon. Pour le moment, c'est bon. En plus, c'est bugué leur truc. Dis au moins, il y a qui avec toi dans Skydef? Non, je vais pas dire toutes les équipes. Tout ce que je dis, c'est que je suis avec Sifano. Je suis dans l'équipe de Sifano. Je vous dis pas si je suis attaquant, défenseur ou quoi que ce soit. Tu les montres quand t'as des boobs. Tu les montres quand t'es boobs. Ah, bah, Poilman, déjà, il faudrait sub. Chez moi ou chez Ogaming. Et il faudrait aussi faire un tip. À 500 euros, je montre As de pique à poil. Voilà. Alors, et j'ai dit pareil chez Fury. Si jamais quelqu'un fait un tip en une fois de 500 euros à Fury, je montre une photo de Fury à poil. Vous voyez venir le troll là, vite fait ou pas? Tu te souviens pas de la misère que je t'avais mis? Quand t'étais venu stream avec la GR. Tu m'avais mis une misère? Non, je me souviens pas, Cerdan. Ça gratte l'argent? Bah oui, évidemment. Évidemment. J'ai plus de torches. J'ai plus de charbon. Viens ici. Come at me. Bon, il me faut du diamant maintenant. Du fer, on en a en mouse. Putain, j'ai cru que j'avais pas beaucoup de bois, mais si, en fait, ça va. Hop. Voilà. Tac tac tac. Eh, merci beaucoup Cantinorus pour ton tips de 11€. Coucou à eux. Est-ce qu'ils me font tout fait quand ils comme ça? Merci bien. Merci beaucoup à toi pour ton tips, ça fait plaisir. Coucou à deux, tes streams me font tout. Il s'est bien affiché le tips, hein. Je suis pas sûr. Merci. Normalement oui. Merci à toi en tout cas, beaucoup pour ton tips. Alors, tac tac, nickel. Et est-ce qu'il s'est bien affiché à droite? C'est bon, il s'est bien affiché à droite. Très bien. Pas Fury, je préfère As2 à poil. On est d'accord, hein, on est d'accord. En plus, il n'y a rien à voir chez Fury. non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, on fait une pioche, une épée. Tac, tac, on se débarrasse. On fait une petite poubelle. On se débarrasse de ceci, ceci et ceci. Nickel. J'ai les torches, on va pouvoir vite fait explorer ici si on n'a pas un truc intéressant, genre du lapis. Ou des trucs dans le genre. On a... plein de fer, on a une grotte gigante et on a de l'or. Ok, pas de lapis. On va essayer de descendre un peu. Diamant. Bon, par contre, j'ai pas de seau d'eau. Je vais aller chercher mon fer et je vais revenir. Il me faut des blocs. Ah, faut que je fasse cuire ma bidoche aussi. Salut LinkGG et bonjour à ceux qui arrivent. Hop là. On va ramasser un peu ça tant qu'on y est. Je te mettais une seconde par map. Mais t'en fais pas, je te montrerai en avril. Ça marche, Cerdan. De fer, on va être bon, je pense. Non, je ne donnerai pas les participants à Skydef. Checkez les Twitter des personnes potentielles. D'ailleurs, le jour du record de Skydef, moi j'ai donné un indice. Je vais vous donner un indice. Le jour de record de Skydef, j'étais avec une personne qui fêtait son anniversaire le jour-là. Alors, qui a eu son anniversaire il y a peu parmi le YouTube Game? Si vous followez cette personne, vous devriez le savoir. Et bien sinon, bah tant pis, vous verrez bien samedi, hein, au pire, tant pis. En PVP dans 2 minutes. Go direct full jams. Ouais, je suis pas sûr, hein. On va peut-être d'abord faire les enchantes. Les enchantes plus importants que le full jams. Allez, on redescend.
Mais j'ai toujours pas de pseudo, moi, imbécile, pourquoi je redescends? Ah, toujours pas de pseudo. Est-ce qu'on a pas une petite source d'eau qui traîne? On a de la lave ici, là y'a rien. Bon, c'est pas grave, on va le faire sans. On va le faire sans pseudo. Ça va juste être un poil plus long, c'est rien de très très grave. Est-ce que c'est profond? C'est pas profond. Ok. Là, un tout petit peu plus. Ok. Ah, deux diamants. Deux, seulement deux? Non, trois diamants. Il m'en faut 5. Yes! On a la table enchantée. Ouais! On a la table enchantée. Allez, faut pas qu'il crame. C'est bon. Faut pas qu'il crame. Normalement, c'est bon. Et celui-là, normalement, c'est bon aussi. Et oui! Ok. Magnifique. Alors, du coup, table craft. Une pipioche. Mais il me faut quand même un seau d'eau. Il me faut quand même un seau d'eau. On va se faire le seau. Eh, pas tout de suite. On va aller par là-bas. C'est trop profond. Allez, il y a bien une grotte par là. Allez, tac tac. Ah là, je vois de l'eau. Mon eau, le glaude, elle est tip top pour le perniflard. Mais c'est magnifique. En plus, on a déjà le psy. Je regarde si on avait pas de lapis. Mais non, on a de l'or. Je vais vite la ramasser. Et nous n'avons pas encore de pommes. Ah, peut-être. Peut-être que. Allez, sois cool, je. Du coup, pas de canne à sucre. Non, mais... Merde, c'est vrai, la canne à sucre. Putain d'imbécile. Bon, va falloir que je retourne en surface. Ah, quel gros con. Imbécile. Bon, c'est pas grave. On va retourner en surface, du coup. Allez, 1. Je tente de boire mon café pendant qu'on mine le psy. Et d'ailleurs, attendez, avant de miner la suite. Puisque ça va nous prendre une trentaine de secondes, pardon. On va faire comme ça. J'ai combien? J'ai 7 d'or. 6 d'or. Relou. Hop. La moitié de ça. Ça. Et un petit peu de barbac. Voilà. C'est l'heure du grill. On est à 2 opsy. Je les ai ramassées. Elles sont où? PVP activé, j'en ai 2, ok. T'es dessus sur Celestia? Non, je suis sur Epicube. Ouais, mais par contre, la musique, je pense qu'elle va effectivement strike. Je verrai après, je vais changer de playlist après. Putain, c'est censé être une playlist. Sans copyright. Spotify, tu me mens? Spotify nous ment. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque le pantalon. Je vais aller voir si on n'a pas du diams ou du lapis pendant que ça cuit. Je vais récupérer le seau d'eau. Alors, diamant ou lapis? C'est vrai qu'il me manque encore le lapis de toute façon. Donc, je vais même pas retourner à la surface tout de suite. Tant que j'ai pas trouvé le lapis, ça sert à rien de faire la table d'enchant. Là, c'est bon, on a du lapis. Nickel. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que le. Dans ma tête, c'était. Dans ma tête, c'était pour les popos, la canne à sucre. Alors, Neotix, les casques. Les casques, ce n'est pas moi qui gère, c'est O-Gaming. C'est O-Gaming, pardon, c'est Astro qui les gère. Donc, je ne peux pas te dire, mais normalement, ça doit être le cas. Mais comme je l'avais dit, en fait, les casques partent des US, donc ça peut prendre pas mal de temps. Mais après, ne t'en fais pas. Et si, par hasard, d'ici 1 à 2 semaines, tu n'as toujours pas de nouvelles. N'hésite pas à me recontacter ou à PokéAstro sur Twitter, ils pourront te répondre sans problème. Alors, ça je récupère, je me fais mes bottes. Il y avait de l'or, je vais aller la chercher, ensuite on va retourner en surface. On récupère tout ça. Ok, ton YouTuber préféré. Mon YouTuber préféré à moi, c'est pas du YouTube Gaming, puisque actuellement je ne regarde quasiment plus de gaming sur YouTube, je regarde plus que sur du stream de temps en temps. Je vous dirais que c'est y penser. Ce que fait y penser, je surkiffe. Oui, pardon. Ouais, j'ai de quoi me faire un saut. J'ai de me faire un saut d'eau. Voilà. Et là, nous avons tout ce qu'il nous faut. On va aller récupérer l'or qui était par là-bas en haut. Et après, on descend. C'était là? Non, c'était pas là. C'était où? Là-bas.
Allez, moi je suis pas un pro du MLG Bucket, hein, donc je le fais pas. Ah, il y a encore du lapis là. On ira le rechercher. Une petite pétole d'or. On en est à 7. Ouh, la belle crevasse. La belle crevasse. Oh, la belle bleue. Allez, vite le lapis. Et on va juste explorer cette crevasse et ensuite on remonte à la surface pour la canne à choucre. Tac. Alors attention les mobs par contre, je suis à quelle altitude là? Je suis à couche 11 donc on peut avoir du diams. On peut avoir du diamant. Est-ce qu'on a du diamant? Pas parce qu'on peut en avoir qu'on va en avoir, mais... mais peut-être qu'avec un petit peu de chance, on pourrait... en ninja un petit peu... Ken, mon cher, encore un peu de la piste. Ça fait du level, c'est parfait. Tu vas aller Nether. J'ai 36 minutes, ça va dépendre le temps qu'il va me falloir pour trouver la canne à sucre. Pour le moment j'explore. Je suis pas pressé pour Nether, hein, honnêtement. J'ai plus de charbon. Faut que je me remine du charbon du coup. De l'or. Ça aussi ça va être important d'en trouver un peu. Est-ce qu'on en a plus qu'un ou c'est encore du foot roll? Ah, deux. Ah si, on en a un peu plus. On en a un petit peu du coup. On va couper l'eau. Ah, nice. Nice. Très bien. Couillé. On en a... merde, il m'en manque une. Un or pour faire une deuxième pomme. Tant pis. Pardon. Pas Minecraft fait que crash dans le 4TP. Alors ça, j'ai trouvé la raison. C'est parce que j'avais le mode shaders qui était installé. Et j'avais pas vu. C'était pas volontaire, en fait. C'était l'instance de Minecraft que j'avais utilisé pour Fallen Kingdoms. Et évidemment, le mode shaders n'était plus à jour puisque ça datait un peu. Et du coup, ça arrêtait pas de faire planter. Et je suis désolé pour ça. Effectivement, je pense que ça devait pas être très agréable à regarder. D'avoir des crashs systématiques. Mais je l'ai découvert après en voyant le record, en fait. Donc voilà. Bon, ici, on n'a plus rien. Je vais peut-être remonter. Retourner dans la crevasse. On va finir d'explorer la crevasse. Et ensuite, on retourne surface. Merde, du coup c'était du diamant, ce n'est que du fer. Et ici, il y a de l'or. On va vite aller chercher l'or et go surface. Et comme ça on va avoir deux pommes. On a deux pommes, est-ce qu'on en a encore un peu plus? Je suis désolé, j'ai plus de torches, j'ai plus de charbon. Oui. Et il y en avait encore un petit pétole là-bas, oui, hop. Juste... hey, merde. Voilà. Pour écrire, c'est payant. Pour écrire où? Dans le chat? Bah non, vu que tu viens d'écrire. Oui, c'est payant. Il y a 3 euros qui ont été facturés pour ton message sur la facture d'internet de tes parents. Non, pas du tout. Et si tu veux dire, pour écrire là-bas, c'est pas que c'est payant. Ça, ce sont les tips. Donc, c'est lorsque quelqu'un donne de l'argent. Tu t'enchantes pas. J'ai pas le bouquin. Lorsque quelqu'un donne de l'argent, en fait, ça s'appelle un tips, donc c'est un don, une donation. Vous voyez, du coup, lorsque tu fais un don, tu peux passer un message qui s'affiche à l'écran et tout, avec une petite musique ultra pétée. Donc voilà. Un espoir d'avoir du matpack sur ta chaîne. Non, matpack non, parce que je l'avais expliqué au début de Agrarian Skies 2. Le problème du matpack, en fait, c'est que je savais pas quoi faire, je connaissais pas les modes, etc. Et c'est pour ça que j'ai switché sur Agrarian Skies 2, Cantinosaurus. C'est parce que dans Agrarian Skies, il y avait le quest book qui nous guide et qui nous explique pas à pas, en fait, quoi faire, comment fonctionnent les modes, etc. Comment t'as pris deux corps? J'ai miné sous mes pieds, comme un gros tarde. Les projets à venir, bah, le gros projet qui commence vendredi, bah, c'est un... vous verrez. Beat. Bah voilà, bah bravo Carnage. Mais t'as raison, donne l'exemple. Et si tu dis beat dans le chat, est-ce que ça veut dire que les viewers ont le droit de dire beat? Les viewers, tapez beat dans le chat, voir si vous vous faites censurer ou pas. Est-ce que tu bouges dans d'autres villes pour certains events, genre exemple Nantes?
Nantes, j'y suis allé. Alors attendez, Nantes, c'était pour la Cavicon. Je suis allé à Cavicon pour Nantes. Je fais des. Bien sûr, je fais des conventions, etc. Prochaine convention d'ailleurs, ce sera. Allez, est-ce que les modos vont censurer les beats? Je ne crois pas. Vous avez le droit de dire beat sur gaming. Change de. Chaîne de beats. Modéré par des beats, streamé par des beats, géré par des beats. C'est la beat. Non, après, faire dire gros tub, ça c'est nul. Beat, c'est rigolo. Bienvenue à la communauté des Tards. Bah, en fait, c'est les modos qui font. Qui donnent l'exemple là. Enfin, en soi, c'est un modo, parce que jusqu'à ce qu'il y ait Carnage qui arrive, c'était tout calme, c'était tranquille et tout. Carnage est arrivé, bah, c'est le Carnage. Très bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, convention, bah, prochaine convention, je vais à. Tarn, je crois. Pour DQB des Pioches 2, c'est en. Midi-Pyrénées, il me semble. Et ensuite, bah, PGW, je fais toute la semaine, je serai sur le stand Coca toute la semaine, ainsi que sur le stand. Game One, pas toute la semaine Game One, ce sera une fois, ce sera une journée, je sais pas encore quel jour, je ferai de l'animation pour, sur Game One. Et bah pour ceux qui ne peuvent pas venir à la PGW, vous pourrez me voir sur Game One du coup, ça c'est cool. Ce sera pas la première fois que je passe à la télé, ce sera la première fois que je passe à la télé, où ce sera entre guillemets volontaire que ce soit moi à la télé. J'étais passé sur Canal+, pour les nuits de Cron. Quand les nuits de Cron étaient passées sur Canal+, j'étais passé pendant quelques secondes en train de me faire teindre les cheveux en rose. Super. Mais sinon, pas. Si un jour tu passes à Nantes, ce serait cool de boire un verre au Game Over. Alors, quand on était à... Oui, donc c'était bien la Cavicon. Quand on était à la Cavicon, il faut savoir que la convention Cavicon était en partenariat avec le Game Over, je crois. Et qu'au final, on était... personne, je crois, quasiment n'est allé au Game Over. On était dans le bar d'à côté, la maison. Topicat, et c'était OP. On s'est pris des quilles au... Ah, cala sucre. On s'est pris des quilles monumentales à la maison, et en fait, Game Over, moi, j'ai mis les pieds parce que j'ai un viewer qui va faire un verre là-bas. Mais sinon, il y avait quasiment personne dans le Game Over. Ça avait l'air d'être un bar geek sympa, hein, mais il y avait moins de place que dans la maison. Kion, c'est une belle grosse arnaque pour y être allé, même si voir plein de youtubeurs, c'était cool. Alors, la Cavicon, c'était de l'arnaque. Oui, mais non. En gros, c'était bien foutu parce que vous pouviez aller voir ben, les youtubeurs, etc. Mais en gros, il n'y avait que ça. C'était une convention file d'attente, en gros. Donc vous y allez à file d'attente pour une dédicace, pour discuter un moment avec un youtubeur. Vous terminiez votre dédicace, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, vous alliez faire une autre file d'attente pour un autre youtubeur. Et pour nous, l'organisation, c'était catastrophique, vous n'avez pas idée à quel point. Moi d'ailleurs, ils me doivent toujours des thunes. On a failli rater notre avion, c'était scandaleux. Hein. Mais en soi, la convention était excellente, ne serait-ce parce qu'il y avait plein de potes, plein de potes youtubeurs qu'on voit pas forcément, parce qu'on est un peu dans toute la France et dans toute la francophonie. Donc rien que pour ça, c'était vachement cool. Mais sinon, effectivement, l'organisation laissait carrément à désirer. Et d'ailleurs, ils ont dû annuler, ils voulaient faire une deuxième édition à Lyon. Et ils ont dû l'annuler parce que bah, ils n'ont pas eu les thunes et personne voulait y aller à cause des retours de la première convention. Tout simplement. Donc voilà. Mais c'était vraiment fun. On a passé un week-end excellent avec les potes youtubeurs. Et avec vous aussi, hein, on a vu plein d'entre vous. Il y a eu énormément de monde. J'étais vraiment étonné par le monde qu'il y a eu. Et ça, c'était vraiment cool. Bon, c'est bon, il n'y a personne qui va me ganker là. On est parti. Alors. Je vais pas me mettre à poil directement. Hein. Je vais faire un par un. Protection. Hein. Protection, j'ai quoi? Ah, j'ai que 7 levels par contre. Bon, je vais mettre un sharp du coup. Je vais mettre du sharpness. Je vais me recrafter une épée quand même. Hop. Alors, pardon, hein, je suis un peu occupé là, je peux pas trop lire le chat en l'instant présent. Putain, enchante de merde. Il y avait quoi sur les épées? Que de la merde, il y a que de la merde. Ah, P1. Bon, je vais mettre sharpness du coup. Hop. Il me reste 2 levels. On va retourner en grotte après. Crafter mes pommes. Déjà 2. C'est pas mal.
Voilà, et comme je pense que j'en ai une troisième, même une quatrième peut-être, je vais pouvoir en manger une assez vite. P1, voilà, comme ça au moins je suis full P1. C'est bien. Alors, ça va se refaire les nuits de Kron. Oui, ça se refait, ce sera sur Level Down cette année. Et j'y participe, absolument. Absolument, absolument. Où est mon épée, moi? Là. Alors, j'attends que ça cuise un petit peu. Bon, quoique... Ouais, juste encore de faire quoi, me faire une deuxième pomme. J'ai du coup mangé troisième pomme. Du coup, je vais manger celle-ci pour la régène. Je crafte la pomme et on y va. On retourne en grotte et on retourne miner. Là, je mets mon inventaire correctement. On est bon. Je ramasse ça, je ramasse ça. C'est vrai que je pourrais aller nether, mais je suis pas si bien stuff que ça. Hein. Honnêtement, je suis que P1 et Sharp 1. Il me faut du level pour un peu plus. Ah, du charbon. Enchante livre. C'est vrai que je peux enchanter mes livres aussi. Alors, art ou play, c'est pas prévu. C'est pas prévu que j'y aille. T'as déjà X-Ray? Non, pas X-Ray pour cheat. J'ai déjà utilisé X-Ray sur certains serveurs sur lesquels j'étais modérateur pour vérifier s'il y en a qui cheataient. Et pour ma part, je n'ai jamais moi cheaté, jamais j'ai utilisé moi X-Ray pour cheater. C'est quoi l'intérêt de gagner si... oui, c'est rigolo, lololol, j'ai buté tout le monde. Mais c'est quoi l'intérêt s'il n'y a aucun défi? Si t'es full enchant dès le début, si t'as tout le diamant illimité. C'est quoi l'intérêt, honnêtement? Quel est le... Quand on gagne un jeu, on est content de gagner parce que... Putain, il n'y a que de la merde. On est content de gagner parce que bah, il y avait du défi, il y avait du challenge, il y avait quelqu'un en face qui pouvait, lui, gagner à ma place. Quand vous cheatez et que vous gagnez parce que vous cheatez. Et il est où l'intérêt? De toute façon, c'était écrit que vous gagnez. C'est nul, ça a aucun intérêt. Alors après, il y a toujours les petits geekou. Oh là là, j'ai cheaté, j'ai pu tuer As-2, machin. Oh là là, j'ai cheaté, j'ai buté IPR, tout ça. Après, honnêtement, moi, je vois clairement pas l'intérêt de cheater, quoi. Ah, ça y est, PlugDJ ont réellement fermé cette fois-ci. Ça a vraiment fait faillite. J'ai vu qu'ils avaient fait une levée de fonds. Ça a pas marché. Bon, bah, tant pis. Hein. Putain, j'avais fait un tips, du coup. J'avais fait un don de 20 euros, je crois. Pour que ça fonctionne encore. Tant pis, du coup. Sharp 2. Oui, oui, mais j'ai pas assez de fer, je crois. 21, il me manque un fer. Je vais essayer déjà de trouver une grotte et ensuite je ferai Sharp 2. Et même plus, c'est affinité. Ça marche pas ici, y a pas le bot pour faire le. Y a pas le bot de la musique. Oh, 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 oh. Bon, j'avoue, j'ai X-ray. Putain. Allez, hop, 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 la petite poche de diamant. J'ai miné tout droit direction Bonjour Diamant. Un tout petit peu de moule. Ça fait du bien de temps en temps, c'est pas souvent mon cas. T'as quel âge? J'ai 26 ans, oui. Je suis à quelle couche? 8, je suis un peu haut. Ah bah de l'or! Oui, non mais j'avoue, j'ai extrait. Hein. J'ai extrait, mais vous le voyez pas, en fait j'ai deux écrans. Allez, on va prendre l'XP. Là, j'ai pas amassé de fer, du coup. J'ai pas assez de fer pour faire les enchantes. Il faut que je mette fond tout mon bousin. Mes fours. Donc, on fait fondre l'or. Ah, j'ai de quoi faire encore une pomme. On fait fondre le fer. Et on fait fondre, on fait cuire de la viande. La viande, elle est où la viande? Elle est là. Il me reste quoi? 23 minutes. Ça va être tendu pour aller dans le nether, je pense. On verra. Le petit déplacement de diams, ce qui fait quand même un petit peu plaisir, hein, moi j'ai envie de dire. Alors attendez, je vais juste voir comment je chante le plastron. Ouais, bah P1. On va pour du P1, on enchantera des bouquins du coup. Table craft. Bah non, après quand j'aurai l'enclume. On va pas perdre de temps maintenant. Couche 10. Ouais. Ah bah voilà du fer. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que X-Ray, en fait c'est un cheat qui permet de supprimer en fait tous les blocs de dirt
tous les blocs de stone comme ça également, et de voir où sont les minerais. Donc en gros, c'est l'équivalent d'un wall hack sur un CS. Ou d'un map hack sur un StarCraft. Ouais, lol. Oui, effectivement, alors par contre, gagner et se faire traiter de cheater alors que c'est pas le cas, effectivement, c'est flatteur, parce que ça veut dire que vous jouez tellement bien que vous jouez comme si vous aviez un cheat. Salut Flegame! Au revoir Flegame! Allez hop, le call. Et du coup, là j'ai suffisamment d'iron pour me faire. On va mettre là. Ah, j'en ai que 6. Bon, ça va suffire quand même. Hop. C'est pas ça que je voulais. C'était ceci: crafter une pomme, faire de l'or dans mon bordel d'inventaire aussi. Voilà, j'ai 3 pommes. Ah, mais putain, il y avait du fer juste à côté en plus, j'avais pas vu. Après, extra, c'est pas le seul cheat qu'il y a sur Minecraft. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de cheats. Et comme ce jeu est codé avec le cul, et ben voilà. Et ben voilà. Alors, enclume, nous disions. Enclume, nous faisons. Enclume. Et j'ai encore 6 de fer, du coup, à faire cuire. Il est là. Donc, nous disons déjà épée sharp 2. Épée sharp 2. Ça, c'est fait. Ensuite, on va crafter le bouquin. J'ai déjà crafté le bouquin. Les bouquins, d'ailleurs. Hop, et hop. Alors, power 1, protection 1. Protection 1. Faut que je vais me crafter une épée pour me faire une flame, peut-être. Fire aspect. J'ai pas assez de fer. J'ai pas assez de fer. Là. J'ai tout le temps aussi à la maison. Je te paierai une petite bière. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors, sharpness, non, on va essayer de se faire du mieux que ça. Efficiency power, ok. Attends, je vais prendre ça, je vais mettre le bouquin P1 là-dessus pour avoir un petit P2. Tranquillou, pépère. J'ai du sharp là-dessus. Ouais, j'ai un sharpness, donc je vais quand même mettre un sharpness, on va se faire un sharp 3. Je voulais me faire une autre... Putain, j'ai toujours pas assez de fer. Ici, merci. Encore une épée. Deux épées. Là. Alors, est-ce que je peux me faire une flame maintenant? Non, sharp. Et enfin, la dernière épée. Knockback Bane, sharpness. Putain, il me faut 6 levels pour le sharpness. Fuck you! Du coup, j'ai les bouquins. Protection, protection, encore une unité. On va se faire un petit protection. J'ai pas le niveau. Alors, soit de ça. Bon, attendez, il faut que je change absolument la musique parce que sinon ça va me strike. Alors, est-ce qu'on peut avoir une vraie playlist No Copyright Sound? S'il vous plaît. Là, on a du Skrillex quand même. C'est une playlist No Copyright Sound. Ma gueule. Voilà, je pense que ça devrait aller. Nether pour XP à 2. J'ai pas le... Ouais, si, 18 minutes, si, j'aurais presque le temps. Mais il faut que je trouve une grotte, par contre. Je vais récupérer ça. On va essayer de se trouver une grotte. Place d'inventaire, sans vire. Et on est bon. Stasio 974, grand guide Minecraft et grand maître du fail. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, Fanta sera là vendredi pour l'ouverture du serveur. Vendredi, ouverture du serveur. Et du coup, je sais pas si Fanta sera là à l'ouverture, mais Fanta est sur le serveur également. Donc voilà. Une deuxième charpe 2. Oui, je veux bien, mais j'ai pas le niveau là, il n'y a pas les enchantes pour. C'est prévu de faire une sharp 3 Fire Aspect. C'est l'objectif. C'est pour ça que je prends du niveau maintenant. Quel serveur S2? C'est écrit au-dessus de ma tête. Lisez un peu l'écran. Couche 11, c'est bon.
De l'XP, c'est bon. Et est-ce que je suis... Ouais, ça va, je suis assez au centre. Donc, comme ça, pas de problème avec les murs qui rapetissent. Petit problème de locution. Des torches. Ou bien on est encore. On est encore 17. Ok. Pourquoi tu fais que du Epicube? Parce qu'il est très très bien ce serveur. Et j'en fais, je fais pas que ça. La semaine passée j'ai fait du Epixel toute la soirée. Ouais, je crois à m'attendre. Je vais faire une animation un peu à la. Les musiques MLG qu'il y a sur YouTube. Pour l'IP du serveur, comme ça vous la verrez. Bon, j'ai 6 levels, je dois pouvoir quand même me faire un petit peu d'enchant là. Tac. Alors, attends, il y avait quoi sur les bouquins déjà? P1, P1, Waco Infinity. Et sur l'épée, Sharp 1. Ok, j'ai 3 levels donc je peux me faire ma deuxième Sharp 2. C'est bon, deuxième Sharp 2. Et il me reste un seul level. Donc, simple. On continue. Dans quelle guilde? Je ne suis pas dans une guilde. Je n'ai pas de guilde. Ça sert à rien, les guildes. Ok, on est bon. On est bon. T'as déjà fait de la redstone? Oui, les premières vidéos sur ma chaîne à l'époque, c'était bien avant que Kaipierre ne commence à faire des vidéos sur la redstone, étaient des vidéos redstone. Alors, c'était très sommaire, hein, c'était très basique. Mais j'étais assez fier de mes petits mécanismes redstone que j'avais fait. Alors après, maintenant, vous avez des trucs de complètement malade. Mais moi, à l'époque, j'étais très très fier. Il y avait très 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 peu de vidéos redstone à l'époque. Hein. Ça fait 4 ans et demi les premières vidéos que j'ai mis sur ma chaîne. Nous donner un peu plus de renseignements sur le serveur où il y aura Fanta. Non, venez vendredi en stream, ici ou sur le stream de EPFort. Enfin ici, sur ma chaîne Twitch à moi. Je ne serai pas sur Gaming. Je serai sur ma chaîne Twitch à moi. Ou sur la chaîne de EPFort et vous verrez bien. Vous verrez bien. Il y aura toutes les infos vendredi soir. Allez, il me faut 4 levels je crois hein, pour la Sharp 3. Bonjour ceux qui arrivent. Je sais plus si c'est 4 ou 5. J'ai 5 dans tous les cas, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Sharp 2, ouais, c'est 5 levels. Et pourquoi j'ai eu le petit dududit alors que c'était pas. Je l'ai pas eu le 5ème niveau, bizarre. Une animation dans le chat, je pense que j'ai pas vu. J'ai lancé ma table enchante. Allez, on continue, il me faut encore un demi-level. Penses-tu qu'un serveur UHC sur le principe de Holy Cube avec des team farm build peut marcher? UHC et build? Non. Le principe d'un UHC c'est justement le full PVP. Non, clairement pas. Ah bah voilà de l'XP. Voilà de l'XP. C'est tout? Pas plus? Tant pis. Je vais faire quoi après? Bon, on va se refaire un petit UHC après. Et en fonction de à quelle heure ce sera terminé l'UHC suivant, on se fera soit encore un UHC derrière, soit on ira faire des UHC fun sur Fantabob World. C'est quel serveur qui va ouvrir vendredi? Bah, vous verrez. C'est un serveur avec quelques youtubeurs. For some party que j'ai donné quelques noms avant. Donc il y aura Épée Forte, Fanta... Shorty et Letty, Aurélien Sama, voilà, plein de beaux mondes quoi, plein de beaux mondes. Tac, 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 tac. C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. On pose ça, on pose ça. On vérifie déjà l'enchant sur une épée. Ah mais j'ai une sharpness de trop en fait.
J'ai une sharpness 1 de trop. Pourquoi ça a pas fait? Parce que je suis pas dedans. Sharp 2 et sharp 2. Merci pour la sharp 3. Et maintenant, il me faut une table craft. Me craft une épée. Un stick. Merci. T'as la peine. Tac. Et tac. Voilà. Et maintenant, tu me dis que tu veux me faire un flame. Fire aspect. Et comme ça, on a gagné. Fuck you. Fuck you, fuck you. Du coup, le bouquin. Power, smite, efficiency. Fuck you. Quand même que P1 là. Quand même que P1. Ce qui me reste du fer, il me reste 3 fer et 3 fer non fondus. Tiens, comme ça on va pouvoir se faire des bottes. Ah bah il y a encore du fer. Ok, on continue de miner. Et merci beaucoup à Zazan qui vient de sub sur OGaming. Tu es donc mon premier sub OGaming. Merci beaucoup à toi pour OGaming et pour ton soutien. Bienvenue l'ami. Et du coup, tu peux enjoy les jolis smileys de Gaming. Tu as accès à la qualité source du stream, parce que je stream en 720p, mais 1080p avec plein de pixels. Tu vas voir, Minecraft en HD, c'est la grosse sauce. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez droit à accès au rediff, je crois. Et il me semble que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, en tout cas, Zazan. Alors, il n'y a pas l'alerte sub. Ça, c'est normal. Il n'y a pas l'alerte sub sur Gaming parce que je n'ai pas accès au sub, à la liste des subs via Twitch Alert. Ok, merci beaucoup. Vanazer, mais j'ai plus le temps, il me reste 11 minutes et c'est ce que je voulais faire, il n'y avait pas de grotte. Donc, nah. Attends, je m'effondre ça, je récupère ça, on se fait un. Ouais, des bots. Hop. Et hop. Non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça. Unbreaking protection. Protection, merci. Et dis-moi un. Fuck. Bouquin. Protection, sharpness, efficiency. Putain, 7 niveaux pour un protection. Bon, du coup, mets tes bots. Ici. Protection 2 sur les bots. Je récupère ça. Hop là. Vire. Y'a pas eu masse de kills, hein. Pas eu masse de kills. On était quoi, 21 au départ. On est encore 14. C'est pas mal. Est-ce que ça marche quand on fait un don? Oui, quand on fait un don, oui. Si tu passes via mon URL, Zazan. Via mon URL. Donc l'URL qui est là-bas, en haut. Ça affiche. Pas si tu mets via l'URL que met Moubot dans le chat. J'ai entendu de la lave, il me semble. Bonjour, Héloïse. Héloïse, je suppose. Alors on a de la lave, mais 9 minutes, ça sert à rien d'aller dans le Nether, je pense. Je crois que vous voulez vraiment qu'on y aille. Donc on va y aller, je vais aller récupérer ce qu'il y a là-bas dedans. Non, j'ai tout récupéré, ok. Donc le four, on cuit. Ah non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Bon, tac, on fait un seau d'al. Qui sera en réalité un seau de lave. Et on va se faire le portail ici. Quand on sub à partir de gaming, le don revient à toi ou à O-Gaming. Alors pour tout vous dire, je sais pas. Je crois de ce qu'on m'a dit, une partie est pour moi, mais pas tout, il me semble. Mais c'est pas grave, hein. Moi je stream pas sur O-Gaming pour le pognon, absolument pas. Sinon je streamerais chez Level Down. Je stream sur O-Gaming pour le plaisir, donc il n'y a aucun problème. Si vous voulez soutenir la structure O-Gaming, n'hésitez pas à sub chez O-Gaming. Et c'est pas grave si c'est pas moi qui touche, hein, y'a aucun problème. Je vous hais tous. Voilà. Que vous soyez sub ou pas. Non, je rigole, y'a pas de problème. Et on est bon. Alors, j'avais un flint, parfait, j'ai plus de fer. Quand même que je fasse fondre du coup. Vite. De l'ordre dans l'inventaire pendant ce temps-là. Est-ce qu'on a pas un petit diamant qui traîne? Non. Donc maintenant, on va se débarrasser de ça. Les deux fours, Osef, tout ce charbon, on s'en fout. Ça et ça, on vire. Tout ce bois là, on s'en fout. On fait de l'ordre correct dans mon inventaire, je reprends un seau de lave. Je mets des blocs. Non, je mets mes pommes, pardon, des blocs. Seau d'eau, seau de lave, bouffe. L'épée, on s'en branle. Je peux crafter des tables de craft d'avance. Vire. Des sticks, on s'en fout, on va plus avoir besoin de torches. Ça, je vire. Ça,
Je garde. Sharp 1, je peux la virer. Celle-ci, je la garde. Tac, tac, tac. Et tac, on est bon. T'as un tips qui n'est pas passé. Ah bon? Ah bon? Attends, je vais aller vérifier. Est-ce que Twitcher t'a bugué? Non? Non. Absolute. J'ai pas encore reçu en tout cas. Ou c'est un Twitch, un tips, non plus. Bah non, absolument. Je sais pas où tu as fait le tips, si c'est toi. Mais en tout cas, j'ai rien reçu. Allez, ça c'est bon. Et on est parti, en avant. Non mais j'ai les popos, non, c'est mort. Hein. En 6 minutes, j'aurai pas le temps de faire les popos. Alors, est-ce que quelqu'un t'y est passé? Je ne vois pas de cobble, donc peut-être pas. Donc allez, go pour le level. Donc là j'ai pas le temps hein, en 6 minutes de faire les potions. Parce qu'il faut le temps pour trouver la forteresse. Et même si je trouve la forteresse, la chance qu'elle soit pas explorée est faible. Il faut que je trouve la Nether Ward, que je chope les... Non, de toute façon j'aurais pas eu le temps pour les popos. Pour ça que je les virais. Bonjour Mimi Malice. Ah non, j'ai pas le droit de miner aussi proche d'un portail, pardon. Fais une donation de base que l'on trouve dans ta chaîne Twitch de base. Bah absolute, alors je ne l'ai vraiment, je t'assure que je l'ai pas reçu. Hein. Pas du genre à voler l'argent, tout ça. Vérifie sur ton PayPal qu'il y ait bien eu la transaction. Ou alors peut-être Twitch Alert qui a un souci. Connais Mister Dawid, bien évidemment que je connais Dawid. Je connais même bien Dawid, on est tous les deux Suisses. Allez, j'ai 7 levels. Je vois pas de cobble, hein. Une heure c'est peu. Oui c'est peu, effectivement. C'était la petite partie de chauffe. On s'en fait une après, on s'en fait une 1h30. Allez, bah, il est temps d'enchante là. Il va être temps d'enchante. 5 minutes, j'ai le temps de me faire une sharp 4. Je vais me mettre bien dans le coin ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait de beau ici? J'aurais peut-être dû garder du coup l'épée sharpness, hein, c'est pas grave. Donc, table de craft, stick, 3 épées, 1, 2, ouais, c'est bon. Si j'arrive à faire que des bonnes, sharp 1. Bon, si j'ai une flame, j'ai quand même privilégié la flame, mais sharp 1, parfait. Sharp 1. Sharpness 1, Sharpness 1. Il ne me reste que 2 levels. Il ne me reste que 2 levels. Allez, on récupère ça. Il faut que j'accumule les niveaux suivants. Alors, c'est très très bizarre, Absolute. Mais je viens encore de vérifier sur Twitch Alert. Attends, je vais encore refresh une fois. C'est peut-être Twitch Alert qui a un souci aussi. Hein. J'irai voir pendant la pause, Absolute. Ne t'en fais pas. J'irai voir pendant la pause pour sur mon Gmail et sur mon PayPal si moi je l'ai reçu et si c'est pas Twitch Alert qui a planté. Il y a peut-être Twitch Alert qui a eu un reboot ou quoi que ce soit. Hein, c'est possible aussi. J'irai voir, Absolute. T'aimes les licornes? Voilà, je suis pas du genre à triper comme plein de gens sur les licornes, sur les poneys, sur les pandas, pas plus que ça. Hein. Ouais, on verra après, Absolute, pas de problème. Nickel. Là, je dois avoir ce qu'il faut du coup. Sharpness 2, ça fait Sharp 3, Sharp 3 et Sharp 3, ça fait Sharp 4, mais il me manque 6 levels encore, putain. Allez, 4 minutes pour trouver 6 levels, ça peut se faire. Mais je suis toujours quand même P1, P2, P1, P2. Ouais, je suis pas ouf niveau protection, mais... On tape fort. Tu aimes les poils? Non, ça c'est Fury. C'est dangereux ce que j'ai miné là. C'est pas grave. Y'a personne? Non, c'est bon, y'a personne. Putain, l'XP il crame aussi. C'est relou! Allez, 3 niveaux. 3 niveaux. Personne. C'est pas grave si je perds le portail, on est TP dans l'overworld.
mais j'aimerais bien avoir de quoi me faire mes deux niveaux qui me manquent là quand même. Please. Merci. Ici. Ça devrait être bon. Et je vais en prendre autant que possible des niveaux avant d'être TP dans l'Overworld pour peut-être me faire un bouquin protection. Allez, vite! 2 minutes! 2 levels, 2 minutes, c'est bon. Là, ça va être bon. Il faudrait un arc, ouais, mais j'ai rien trouvé qui drop de des ficelles, donc c'est la merde. C'est quoi ça? C'est du gravel. Allez, encore un tout petit et on est bon. Voilà. Il y en a masse. 10 niveaux. Parfait. Allez, on va en ramasser le plus possible. Je vais même d'ailleurs, j'ai le temps, faire ma sharp 4 tout de suite au cas où on me gank. Vous avez vu, je parle comme un joueur LOL. Ok. Est-ce que je peux encore me faire 5 ou 6 niveaux? En 1 minute, ça peut se faire. Ça peut se faire si j'en trouve. Là, il y en a 5 joueurs, ça, non. Cobble juste à côté. Ouais, non, mais c'était pas du gravel. Je sais pas. Et donc, de toute façon, on va être TP dans l'Overworld dans 50 secondes, donc c'est pas grave. Nickel. Vite. Vite. 30 secondes. Ouais, c'est du gravel, hein, il me semble. Allez, 9 niveaux. On va pouvoir peut-être se mettre full P2, voire peut-être une pièce en diam sans P3. 15 secondes. Tu vas win. Bon, on va essayer, on est 13. On est 13, j'ai 3 pommes d'or, une bonne épée. L'enchant, c'est pas ouf. Allez, vite. Les derniers petits morceaux. 11 niveaux. Encore. Non, ok, voilà. TP Overworld. Je suis assez proche des murs, par contre. Ça m'emmerde un petit peu. Non, ça va, en fait. Ça va. C'est pas par là qu'il faut que j'aille, c'est par là-bas. Je vais rester ici. Pour se faire les enchants rapidos. Alors il me faut pantalon et casque. Ce que je vais voir, c'est pour les bouquins. Ce que j'arrive à mettre sur les bouquins. Feather Falling Fishing, c'est protection, voilà. Ça c'est parfait. Là c'est que de la merde. Ah ouais, mais non, mais en fait j'ai plus de fer. Donc c'est la merde. Allez. Pantalon. P2. Protection, merci. Donc au moins je suis full P2. C'est déjà ça. Aqua Infinity, on s'en tamponne l'oreille avec une babouche. Hein. Hop, hop. Allez, vous voyez le mur, je suis vraiment pas loin. J'en mets mon inventaire correctement. Des blocs. Ça, je peux virer. Ça, je peux virer. Ça, je peux virer un stack. Ça, je peux virer. On y va comme ça. Je récupère ça. Et ça. Je mange un coup. Et on est bon. Tac, tac, nickel. Nickel. Allez, en avant, du coup, 0-0, c'est l'heure du duel. Ah non, j'ai plus de... Bon, si, en direction, pendant qu'on se dirige par là-bas, il nous reste 4 levels. Pardon. Quoique non, j'aurais pas assez de levels pour me faire un enchant supplémentaire. On y va. On y va. Fit the truc, non. Un mort. Qui est-ce qui nous reste parmi les viewers? Ah, on a encore Ryon qui est là, qui est en train de régène. C'est lui qui vient peut-être de faire un kill. On a encore Vindark qui est le gros tryharder. Ça régène dans tous les sens. Quoique, Ryon est en train de prendre cher là. Ryon est en train de prendre cher face à Phenomenum. Phenomeno qui a un demi-coeur. Ryon qui régène. Et c'est par là-bas le 0-0. Personne derrière moi, non.
J'arrive, les bros. Attendez-moi. Oh, quelqu'un passe par là. D'ailleurs, hop. Ouais, c'est bon. Et merci beaucoup, Sacha de Bourg-Palette, pour ton tips de 15 euros. Allez, tu chantes avec le chat. Ah, je mets la chanson après. Allez, je mets la chanson après. Tu chantes avec le TCAHT. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Oh, ça, je gagnerai tous les défis à toi. Quoi que ça, je peux chanter comme elle. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je gagnerai tous les défis. Merci, Sacha de Bourg-Palette, pour ton tips de 15 euros. Et donc, je pense que le problème vient de chez toi, Absolute, hein. Vu que Sacha a pu. Alors, qui est en vie, qui est mort? Oh, Ouillon, et non, je voulais tuer Ouillon. Archaos qui prend cher, Archaos qui va pas tarder à décéder. Oh merde, il y a des chevaux. Ah, ça aurait pu être bien. Mais j'ai pas trouvé de sel. Il manque vraiment la possibilité de crafter ces sels, hein. Oh putain. Pourquoi une voix de vieux? Bah, c'est la voix de... C'est la même voix que la voix de synthèse, en fait, c'est pour ça. Ah, suivez un petit peu, les gens. Ah, il y a du monde là-bas. Là, j'ai vu du monde. J'ai vu du monde qui court. Tiens, je t'aide. Je t'aide. Push. Non, mais suis-le lui. Suis-le lui. Valentin the Gamer. Valentin the Gamer, t'as 3 cœurs. Tu vas mourir. Tu vas dailler. Tu vas dailler. Putain, il avait qu'un cœur avant, c'est pas... Ah, j'ai entendu un arc. Ouais, j'ai bien entendu un arc qui pique, hein. Un arc qui pique. Laisse-moi buter celui qui est dans l'arbre, là. Ah non, mec, je suis con, les arbres, ils tombent pas tout seuls sur cette game-là. Ah, Chaos, non! Valen the Gamer, ça en est bien sorti, hein. Il a bien un gène. Regarde pas le live, Arcane, je le vois venir. Voilà, je le savais. Aïe, oh. C'est bon. Putain, non, j'ai pris les cœurs d'absorption. Il est juste au-dessus de moi. Aïe, putain, son père. Putain, il fait mal, le con. J'arrive pas à l'atteindre. Ah, ok, c'est un monsieur qui joue à la canne à pêche. C'est un monsieur, je joue à la canne à pêche, très bien. Donc c'est un mec qui normalement sait jouer, s'il sait utiliser la canne à pêche correctement. Il est encore dans l'arbre ou pas? Ah si, il est encore dans l'arbre. Aïe, 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 aïe. C'était... Oui, il joue à la canne à pêche. Bon allez, on se me tire. Y'a pas que lui, hein, dans la game. Y'a pas que lui dans la game. Y'a lui aussi. Oh putain, il est en diams, lui. Ah, ça se bat à cheval. Ça se bat à cheval. Qui est mort? Je vois pas. Vindark, mon bro. Ah, il est empoisonné. C'est du poison ou c'est... Ouais, je crois que c'est du poison. C'est pas la fin. Et ici, fan de panique. Merci, joli, joli. Non, non, Parcus, Parcus. Aïe, 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 aïe. Oh putain, ton père. J'ai pas looté le stuff. Oh putain, le focus. Oh putain. Rien à foutre de l'eau, tout sur moi. Aïe, 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 le mec avec son arc. Y'a le gras avec son arc. Pourquoi il a un... Je sais pas. Mais ça faille dans tous les sens ici. Non. Ça me focus du coup, hein, please, moi je tape pas tout le monde. On va focus aussi. Du coup, pas Vindark. Joli. C'est Vindark qui a fait le kill? Je vois pas. Oui, c'est Vindark.
Brûle l'arbre. Ouais, mais j'ai pas le briquet, j'ai que le saut de lave et du coup c'est un peu la merde. Du coup, il reste Arkhaus qui est en train de régène. Et merci Zazan pour le tip de 15€. PayPal bug un max. Ok, bah c'est bon à savoir. Merci pour le tip en tout cas. Bonsoir et pour tous le monde, oui, PayPal bug un max. J'ai rien looté d'intéressant. Merci en tout cas beaucoup pour ton tips. Mais ouais, je me suis débarrassé du briquet, donc à la lave, ça va beaucoup trop long. Bon, alors par contre, je sais pas où ils se sont barrés, les salauds. J'ai pas poursuivi. J'ai de quoi mettre un cheval, mais... Ok, c'est Vindark. On se fight pas pour le moment, on se dit salut bro, et on avance plus loin. Putain, Vindark est de nouveau full diams. En fait, Vindark il shit. Alors, Arkhaus, il a que 2 coeurs et demi, hein. Il n'a que 2 coeurs et demi. Quelqu'un est tombé dans la crevasse ou pas? Je crois pas. Si je peux trouver un cheval, j'ai de quoi l'équiper. Va prendre stuff, y'a plus stuff. Tout stuff ramassé par terre. Tout stuff ramassé. Y a pas quelqu'un dans ce château là. Qui est mort? Ah bah voilà, bah il l'a trouvé. Bah du coup je suis à 0 kill encore. J'ai mis masse dégâts mais j'ai pas fait de kill. Oh, si, j'ai fait un kill. Je crois, hein. Oh, je sais plus. Et j'ai pas beaucoup de cœur, il me reste une seule pomme d'or. Je vais voir effectivement si j'arrive pas à trouver un stuff en chemin, mais ça m'étonnerait, je pense que tout a été ramassé. Vindark est là-bas. Ah, on a lu Drac là-bas. Merde, par contre, c'est deux de profond aussi. Et il l'a empoisonné. Aïe, oh non, mais pas moi. Pas moi la flèche. Allez, je l'ai eu. Récupère la pomme d'or, le stuff en diams. Hop, et puis en diams, on s'en fout. Vire. C'est tout. P1, moi je suis déjà P2. Voilà. On y va comme ça. Ouh, il y a encore moult conneries ici. Ah bah c'est ici qu'il était l'autre. Merci pour l'arc. Oh putain, ah voilà pourquoi il piquait, c'est un P4. C'est un arc power 4, bah voilà. Allez, on est bien. Du coup, il reste 4 personnes, Energix, Babastum et Vindark. Fais des pommes, j'ai de quoi en faire. Ah, oh oui. Je vais garder mes 3 pommes là. Dès que je vois quelqu'un, j'en mange une. J'ai 9 diams, c'est vrai. Je pense jamais à regarder le nombre de diamants que j'ai sur moi. Pantalon, c'est toujours mieux. Même sans enchant, c'est toujours mieux que non enchant, mais... Voilà. On est bon. Et du coup, il reste Energix, Vindark et moi. C'est quoi ton pack? C'est un viewer qui me l'a fait. Je ne connais pas le nom, je ne sais pas sur lequel il s'est basé. Il me semble que c'est le Matox, mais j'en suis pas sûr. Ah, ça y est, ça fight, donc c'est par là-bas. Oh putain, Vindark il prend cher. Mais le problème c'est qu'ils sont loin. Ah bah voilà, il reste que Vindark. Je vais du coup, on va attendre qu'il régène et on va pouvoir fight. Attends, bah du coup, faut juste que je remette le chat du jeu. Comme ça, on va pouvoir discuter. Ça y est, Vindark. Voilà. Allez, le 1v1. Enfin, Vindark, je crois que moi je l'ai buté une fois, lui a dû me buter une quinzaine de fois, quelque chose comme ça. Je vais voir si je trouve pas des pommes sur le chemin quelque part. Ouais, j'ai pas de pommes et du coup j'ai pas de place ici. Mon cheval, ah bah voilà, on joue fer du coup. Enfin fer, on joue à plutôt arme égale, plus ou moins arme égale. Bon, où es-tu l'ami?
Ouais, je vais jouer avec l'arc, vous en faites pas. Vous en faites pas. Mais Vindark est full diams, hein, donc ça va piquer. Il a des potions de poison en plus, le salaud. D'ailleurs, ça me fait penser. Ou alors, on se bat à armes égales ou pas? Je crois pas, hein. Je crois pas, attendez. Vite, le cheval! C'est par là-bas. Il faut que c'est un vide, non? Non, pas par là, pas par là, pas par là, pas par là, pas par là. Vite, plus vite. Saloperie là. Putain. Oh non, non. Oublie. Oublie. Mais il y a potion de force aussi, je suis sûr, Vindark. C'est pour ça qu'il faut pas que j'aille au cac. Bon, où es-tu, l'ami? Où es-tu? J'aimerais bien trouver une vache. Ou encore un cheval. Mais je m'envoie bière. Il n'y a pas de vache non plus, fuck. Si. Non. Oui. Allez. Ça, ça va bien. Nous avons un seau de lait. Nous avons un seau de lait, donc ça, c'est bien. Où es-tu, l'ami? Vindark. Ouh. Ok. Il a régène? Ouais, il a full régène aussi. Il est là, je le vois. Ça m'y arrive, fait mal. Non! Non! Non, j'ai plus de solo! J'ai plus de solo! Ah putain! Combien il lui restait de cœur? Un cœur et demi! Fuck! Oh, j'étais tellement prêt! GG! Ah, so close! So close! Un cœur et demi! En fait, si j'avais pas paniqué avec mon avec le solo et que j'avais plus de solo, ça l'aurait fait. GG Vindark! Putain, c'était beau, hein! C'était beau! Bien joué! Bon, du coup, les gens, il est quelle heure? Il est 21h30. Ah ouais, déjà, déjà, c'est une heure et qu'on a lancé. Merci, Continosaurus, pour ton tips de 3€. Test, test tips, go, go, il tout pété. Ah bah, pas loin. T'arrives un peu en retard. Je suis sûr que t'aurais fait le tips avant le combat, j'aurais gagné. Test, test tips. GG Vindark, hein, c'était un beau combat. J'ai un peu chié dans la colle sur la fin. Bon, on se fait 5 de pause, les gens, on se retrouve juste après. Merci à tous d'être là. Et à tout de suite, on se refait une game juste après. À tout de suite. Tenté, XPit, magnifique. On continue, on se refait un UHC, GG Vindark, en tout cas pour la game. C'était super serré. Bien joué, bien joué. Alors par contre, Absolute, je sais pas si t'es encore là. J'ai été vérifié sur mon PayPal, je n'ai effectivement pas reçu ton tweet, ton tips. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il y a eu le débit, ça allait directement chez Twitch Alert, mais ça me paraît très bizarre. Je sais pas, mais est-ce que tu as fait via le lien du Moobot? Si c'est le lien via Moobot, c'est peut-être, t'as fait peut-être le tips à OGaming, c'est possible aussi. C'est pas un souci dans ce cas-là, c'est pas un problème. Bon, quoi qu'il en soit, je suis toujours sur Epic Cube. On se refait une game, 1h30, j'aurai pas le temps d'une game 1h30, donc je lance une game 1h. UHC 1v1 Day 1h. Clic droit, on va voir les serveurs, il y a 4 personnes déjà, donc c'est parfait, on y va. Et je vous y attends, en avant. En avant. Je vais vérifier si le host n'a pas sauté sur ma chaîne. Non, bon, le host n'a pas sauté, magnifique. Donc, il y a 15 personnes qui sont sur ma chaîne.
Il y a Camille qui a dit As2 à poil sur ma chaîne. Ça sert à rien de parler sur mon chat à moi, je le vois pas. Je le vois pas. Du coup, je vous y attends, voilà, ça se remplit déjà rapidement, tranquillement. Voilà. Il y a combien de personnes en tout sur le stream actuellement, alors c'est affiché 74. En tout, vous êtes 95, 85. Pas mal de monde qui sont partis, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on est mardi, c'est normal. Il y a cours demain, il y a école, il y a 100% comestible à côté, il y a plein de streams à côté, donc c'est pas grave, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Participes-tu au serveur DP Forte ? Oui, Killer K, je serai en live vendredi pour l'ouverture du serveur, absolument. Absolument. Ah, je suis sûr, Absolute, hein. Je suis vraiment sûr. J'ai vérifié déjà dans mes mails, j'ai pas l'alerte. Et en plus, sur mon PayPal, j'ai pas le montant. Ça, c'était un tips de combien, Absolute ? C'était un tips de combien ? Bon, en attendant que ça lance, ça va pas lancer tout de suite. Ah bah ça y est, XSplit a planté, très bien, donc je ne pourrai plus mettre l'écran de pause. Génial. Génial. Fuck. Le tips avant la fin du game a été fait avant le PVP, je voulais te motiver. Ah bah s'il vous plaît. Merci pour le tips quand même, et effectivement il y a quelques lags, alors soit c'est PayPal, soit c'est tout qui a l'air, je ne sais pas. Il y a quelques petits soucis. Non pas de duo Jita, je suis plus à jouer solo. Plus à jouer solo sur les UHC. Et ouais, alors XSplit a replanté sa mère. Fuck. Fuck. Merci XSplit pour cette magnifique mise à jour qui nous rajoute la possibilité de faire... C'était quoi la fonctionnalité super ouf qui sert absolument à rien qu'ils ont rajouté? Je sais plus. Cœur chitoyen, 21h42. Allez, du coup, combien vous êtes ? Combien vous êtes ? 17, allez, encore 3 personnes, les gens. Venez, 3 personnes pour une dernière game. Deux personnes pour une dernière game. C'est le chat qui fait le bord. Bon, c'est les voisins. Salut, Kanjo ! Comment ça va ? Ça y est, vous êtes 20. Nickel. Allez, démarrage dans 110 secondes. Baisse un peu la musique ou monte ton micro. C'est vrai, il est trop fort la musique. Le problème, c'est que j'ai un souci avec mon micro en fait. Kanjo, faudra peut-être qu'on se chope en PV, Kanjo, parce qu'en fait, je passe par une table son. Et j'arrive pas à régler correctement ma sortie audio. Du coup, je suis sur le. A plus Vindar qui est encore GG. J'arrive pas à régler correctement la sortie, du coup, je suis sur une sortie auxiliaire. Non, c'est même pas une auxiliaire, c'est une sortie alt. D'ailleurs, il y a un problème d'équilibrage, pardon, c'est le chat qui a encore bidouillé. Et je suis pas certain de mes réglages, donc toi qui fais du mix, tu dois peut-être pouvoir m'aider. On se captera à l'occasion, Kanjo. Je vais baisser encore un petit peu, alors, pas de problème. Voilà. Et le problème, en fait, c'est qu'actuellement, comme j'ai un casque USB, et non pas un casque, donc c'est un excellent casque, hein, casque Astro qui est excellent. Mais le problème, c'est que comme il est USB, je peux pas avoir la sortie directe avec mon retour son. Donc je n'ai pas l'équilibrage dans les oreilles directement. Allez, ça va se lancer dans combien de temps ? Bientôt. En what ? J'en ai 21, pourquoi il n'y a pas le chrono ? Oh ! Ça a planté ? Ça marche en jeu, pas de soucis. Le casque, c'est le Astro A50. C'est ce que je fais gagner. Ah voilà, 60 secondes. C'est ce que je fais gagner sur les tournois de temps en temps. Tournoi Minecraft ou tournoi Hearthstone. Bon, c'est un casque qui vaut très très cher. Hein. Il vaut 300€. Mais c'est un excellent casque. Et si vous n'avez pas les moyens, ce que je comprends tout à fait, de mettre 300€ dans un casque, mais que vous avez un peu de moyens quand même, je vous conseille le A40 à la place. Donc c'est également Astro A40. C'est en gros, c'est exactement le même, mais il n'est pas en USB. Il est en jack. Et il est filaire. C'est la seule différence, c'est qu'il est filaire. Allez, 30 secondes avant le début de la game. C'est quoi ton PC ? Pff, c'est un PC que j'ai monté moi, alors t'as toutes les specs sur ma chaîne.
toutes les specs sur ma chaîne Twitch. Allez, ça va se lancer dans 10 secondes pour la dernière game de ce stream. Alors si jamais la game dépasse 23h, je couperai ici, je laisserai ma place et du coup j'irai sur je la terminerai sur ma chaîne. Mais je pense qu'en 1h40, 1h15 on devrait avoir le temps, non? C'est cher 300 balles. Oui, 300 balles c'est cher. Je sais que c'est cher pour un casque, mais c'est des casques gamers. C'est le prix pour les casques gamers. Hein. Alors on est parti et je suis dans un marais magnifique. Magnifique. On est parti. Tout de suite le premier arbre, il y a du poulet. Oui, effectivement, les subs ici sont plus chers. Ils sont à 6,99$, mais c'est parce que Ogaming est une web TV et que bien sûr il faut rembourser. Il faut payer les locaux, il faut payer le matériel, etc. Les ingés qui bossent également, parce qu'il y a des ingés son, etc. Salut Georges! Est-ce que Georges, d'ailleurs, Kanjo, tu dois peut-être le savoir, est-ce que Georges est toujours l'ingé son de Ogaming? Parce que je l'avais croisé l'année passée à la soirée privée ESWC, après la PJW. Et ça fait longtemps que je suis Georges. Pour ceux qui connaissent le For Nuke Forever. Voilà. Ah, tu t'en vas derrière Kanjo, pas de soucis, bah, bonne soirée. Merci d'être passé. Après, je sais pas si Georges est encore là ou s'ils ont changé d'ingé son. Et ça, ce sont des personnes qui bossent à 100%. Donc évidemment, il faut les payer. Je soutiens au gaming avec qui d'autre? C'est pas que je soutiens au gaming, c'est que je bosse avec et pour au gaming, tout simplement. Non, non, on parle pas du même Georges, iMoods. Tu viens en Suisse pour le service. Tu vas. Ah, tu viens où en Suisse pour ton service militaire? À Colombier. Non, non, c'est pas le même Georges, ne vous en faites pas. Ça, c'est un bon Georges. C'est un gentil Georges Ounet. Qui tue des trucs à la con sur le Japon, d'ailleurs. Épée. Ceci. 1, 2, 3, 4. Poulet. Merci pour le poulet. Oh, j'ai déjà une pomme, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, ça, c'est ma game. C'est ma game. On a des chevaux. On va pouvoir récupérer un peu de cuir. Donnez les pommes. Et on a la canne à sucre. Magnifique. Donc on a déjà tout ce qu'il nous faut. Encore quelques pommes et on est bon. 8 cannes à sucre. Je vais aller buter les chevaux là-bas en haut. Donne du cuir, merci. Donne du cuir. Merci. Donne du cuir. Merci. Donne du cuir. 5 cuirs, parfait. Parfait, on y va comme ça. Il me faut 15 lapis. 15 cannes à sucre pour que ce soit worth. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez hop hop hop. En tout cas, c'est un casque micro, il fait que casque. Non, c'est un casque micro. C'est le seul petit point noir de ce casque. C'est le micro, la qualité est pas top. Donc, pour les personnes qui veulent un casque avec une qualité de son de ouf, prenez ça. Prenez un Astro, vraiment. Après, j'ai pas essayé toutes les marques, hein, c'est clair. Mais les Astro, pour la qualité son, est complètement pété que la qualité de la musique. Pour la qualité du micro, je vous conseille plus un Rocat. J'ai streamé assez longtemps, j'ai fait des vidéos assez longtemps avec un micro Rocat, avec un micro casque Rocat, et ça allait super bien. Après, la qualité du son est pas top, et le confort, par rapport à un Rocat, Astro est quand même vachement au-dessus, au niveau du confort sur les oreilles. Et attention, bah là, une fois de plus, hein, preuve du fait que je ne sois pas un vendu, parce que certains youtubeurs et streamers peuvent perdre un peu d'intégrité quand il est histoire de pognon. Il faut savoir que je suis pas partenaire Astro. Je suis partenaire Astro pour les compètes, pour les tournois que j'organise, mais sinon je suis pas sponsor Astro, je suis sponsor Rocat. Et c'est pas parce que je suis sponsor Rocat que je vais vous dire bah Rocat c'est trop bien, achetez-les, absolument pas. Rocat c'est très bien, achetez-les si vous voulez un bon micro et un casque pas dégueu, et pas trop cher. Si vous voulez vraiment de la qualité son, orientez-vous plutôt vers du Astro. Après je sais qu'il y a... SteelSeries, je crois. Il me semble que j'avais testé SteelSeries, qui était pas mal du tout non plus.
Mais vraiment, la meilleure qualité son que j'ai jamais entendue dans un casque, c'est Astro. Les Rock 4, ça dépend, l'entrée de gamme, elle est à 40€, je crois. Et il est pas dégueu. Il est pas dégueu. Donc voilà. Après, on va pas parler, on va pas s'étaler là-dessus, parce que je suis de loin pas un spécialiste. Moi, je parle en connaissance de cause seulement de ceux que j'ai testés. Et testés, pas 3 minutes, hein, que j'ai testé un peu plus longtemps. Bon, je suis à combien de pommes, là? 2. C'est pas assez. Il nous faut plus de pommes. C'est ça que tu fais, c'est pour les thunes. Évidemment, évidemment. C'est pour ça que quand je fais des OPSP typiques comme hier soir, je ne vous dis absolument pas. J'ai payé 8 000€ pour un stream avec 150 personnes, mais je ne le dis pas. Non, la première chose que j'ai dit en lançant le stream hier soir sur War Thunder, c'est « Ceci est une OPSP, je suis payé pour faire ce stream. » Oui, je le dis. Je le dis. Je ne suis pas avendu. Pas de pommes en plus. Ça les dépend. Par contre, il va me falloir un peu plus de bouffe parce que 2 poulets, c'est pas suffisant. Je préfère un micro avec une table son, c'est mieux, je trouve. Alors, ça dépend ce que t'en fais, en fait. Pour quelqu'un qui ne fait que jouer et être sur un TS, c'est overpowered. La table son, etc., ça sert à rien. À part à se toucher en se disant « table son !» Non, ça sert à rien. Après, pour moi qui fait du stream où la qualité son est quand même assez importante et que bon, j'essaye de faire de la qualité, c'est déjà vachement mieux. Quand tu dis « il nous faut plus de pommes », j'ai pensé « il nous faut plus de Zigoura ». Je connais pas cette référence, Elphoris. Il faut plus de Zigoura. Je ne connais pas cette référence. Merde. J'ai faim. T'as des bonnes marques de PC Gamer? Non, parce que j'ai jamais acheté de PC Gamer de ma vie. J'ai toujours monté mes PC moi-même, donc je n'ai pas de référence là-dessus. Je ne peux pas vous aider. C'est War 3, Zigoura. Alors là, je vais peut-être me faire incendier parce que je suis sur Gaming, la chaîne StarCraft 2. Donc bizarre, donc War 3, Warcraft. Mais j'ai jamais joué à Warcraft 3. J'ai jamais fait la campagne de Warcraft 3. Warcraft 3, je l'ai acheté avec l'extension quelque chose comme 3-4 ans après sa sortie. Et je l'ai acheté uniquement pour faire du Tower Defense. en mode arcade. Et après, j'ai découvert StarCraft 2 et j'ai acheté StarCraft 2. Ah, on a un joueur là-bas. Bonjour, Pixjet. Bon, j'ai 5 pommes, mais il me faut à bouffer par contre. Je vais faire cuire un peu ma bouffe. Zigoura, laisse-moi mes pommes. Ah, il y a du poulet. Je veux le poulet. Putain, on a un biome mesa. Et nous avons une crevasse également. J'espère que Jet n'est pas tombé dedans. J'ai pas assez de bouffe là. Voilà, comme ça, il me faut encore quelques animaux. Qu'entends-je? Mais pas Warcraft 3. Au bûcher, hératique! Non, non, mais. S'il vous plaît, excusez-moi, j'étais pas spécialement gamer à l'époque de la sortie de War 3. Moi, j'ai vraiment commencé à être gros gamer. Quand j'étais à l'école d'ingé. Ce qui est normal. C'est-à-dire, il y a. Ben, en gros, quand j'ai fait mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, donc il y a 4 ans et demi, je commençais vraiment à pas mal travailler les jeux vidéo. Avant ça, compétition de jeux vidéo, bon, ça existait pas, bon, pas plus que ça. Ça existait, mais en LAN, parce qu'il n'y avait pas, Twitch et compagnie. Je joue à CS depuis que j'ai 14 ans, mais j'ai jamais joué en tryhard. Jamais été un gros tryharder. Donc War 3, moi, j'étais pas encore gamer quand il est sorti. C'est que bien plus tard que j'ai découvert ce magnifique univers qui est le gaming. Du cochon. Y'en a qu'un, salaud. Ils sont où tes frangins? Tu m'as même pas donné un... Si, un petit peu. Ils sont où tes frangins? Il me faut du manger.
Il me faut du manger. Ah bah voilà. Non, c'est du lapin, j'ai cru que c'était du poulet. Allez, tu me donnes un truc à bouffer, toi. Un petit... Voilà, peau de lapin. Cochon. Ah, voilà. Voilà le manger. C'est bon, on a ce qu'il nous faut. Là, il y en a assez. Et on a une grotte, ouais, j'ai plutôt aller. Ouais, quoi que ça a l'air de bien descendre. On va descendre ici. On va descendre ici. Toi, dès que je te vois au loco, je vais refaire ton éducation de gamer. Mais pas de problème, Elphoris. J'essaierai de passer au loco à la PGW. C'est la prochaine fois que c'est planifié que j'aille à... que je monte à Paris. Donc je testerai. Bah d'ailleurs, Elphoris, je sais pas si t'étais là quand j'ai posé la question ou pas. Est-ce que tu sais si Georges bosse toujours chez O'Gaming? Est-ce que Georges est toujours l'ingé son d'O'Gaming? Moi, la dernière fois, je suis déjà venu une fois au loco de gaming, c'était à PGW il y a 2 ans. À l'époque, c'était quand Pierre, Tech et Bill étaient encore streamers au gaming pour l'émission Minecraft. Et on avait fait le dîner de départ de Big B qui partait justement de chez O'Gaming qui allait chez Gaming Live. Et c'est à peu près la dernière fois, c'est la dernière fois et la seule fois où je suis allé au loco. Non, mais je parle pas du même George Heinoud. C'était où que ça descendait, merde? Ouais, il faut que je me fasse cuire bouffer. Un peu de biloche. George est actionnaire de OG, donc oui, il est toujours là. Il est dans la team fondatrice. Oh, ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Bonjour Miaou d'ailleurs! Et Kadi Django. Django, Kanjo? Et oui, mais en plus j'ai acheté War 3 et j'ai jamais fait la campagne. La seule fois où j'ai joué à War 3, c'est pour faire du Tower of Defense. Ah mais Miaou, je le follow déjà, Georges. Bah en fait justement, je le follow depuis que je l'ai rencontré. Ça fait très très longtemps que je connais Georges. Je le connais depuis le For Nuke sur Starcraft 2, sur les vidéos de Pomfétude. Mais justement, je l'ai rencontré la première fois. On a vraiment discuté. C'était à la soirée de soirée SWC. De la PGW il y a 2 ans. Et on avait discuté, du coup, je crois qu'il me follow encore. Je sais pas s'il me follow encore, je sais qu'il m'a follow en tout cas un temps sur Twitter. Je sais pas si c'est encore le cas. Ce serait tristesse si c'est plus le cas, mais c'est pas grave. Bon, ouais, du coup, on va aller quand même dans la faille qu'on avait, si je la retrouve. Parce que ici, c'est de la merde. Et oui, le porn japonais, oui. J'ai déjà vu. Faut qu'on continue à appeler ton compte sur CS. Je vois que ça a relâché depuis quelques temps. Attends, tu joues avec Luciana, Miaou, c'est ça? Bonjour Grenou. Est-ce que tu joues avec Luciana, du coup, Miaou? Parce que moi, j'ai mon compte principal sur CS. Enfin, j'ai désinstallé CS depuis 2 mois, mais j'ai filé à mon Smurf, à une copine. Je lui avais refilé pour qu'elle me le dérangue, parce que je l'avais acheté pour jouer avec les viewers. Et je mettais premier classement, j'étais classé double AK. Et mes viewers en général, ils étaient plutôt Silver ou Minova. Du coup, je l'avais refilé à une copine pour qu'elle le dérange. Bah, elle est passée shérif avec, je crois. Donc très bien. Et du coup, moi, j'étais shérif jusqu'au moment où j'ai rage quitté le jeu, j'ai full désinstall et j'ai plus rejoué. Ça fait 3 mois que j'ai plus joué au jeu. Hey, salut Vinstec. Il y a plein de monde qui arrive là tout d'un coup, c'est quoi? C'est parce que... Attendez, c'est 22h, on a le droit de dire des trucs salaces en stream, c'est pour ça que vous débarquez maintenant? Par contre j'ai perdu ma crevasse... Là on a une grotte, on va voir pour descendre par là peut-être. Ouais. J'ai déjà du charbon, donc un peu de torche ne fera pas de mal. Encore un peu de charbon, on va ramasser. On joue avec Mom. Ah, tu joues avec Maman, d'accord. Ah, on avait joué ensemble avec Maman, c'est ça?
Voilà, voilà, d'où... Ok, on avait joué avec, avec Momo ensemble. D'accord, miaou. Bon, alors, par contre, il y a déjà du monde dans le Nether, j'ai l'impression, là. Il y a mort dans, le, dans la lave. Ouais, alors, effectivement, n'hésitez pas à rester après mon stream. Hein. Donc, mon stream se termine à 23h. Je ne streamerai pas après sur, sur ma perso, donc n'hésitez pas à rester, les gens, pour voir le mix de Vindark. De, Vindark, putain, pardon, c'est habitude. De Vinsteck. D'ailleurs, Vinsteck, quel genre de musique est-ce que tu mixes? Voir si ça va me plaire ou pas. Ouh, encore du fer. Ah, par contre, si c'est du rap, techno, deep house, progressive, electro... Ah, ça va, je vais rester. C'est un peu flasky pour moi, mais... Un peu deep, ça passe, ça passe. Moi, je suis plus dans le... La dubstep assez, assez virulente, assez violente. Ou alors... dubstep, c'est ce que j'écoute de plus calme, à part ce qui passe là actuellement, mais ça, c'est pour le live. Sinon, moi, je suis beaucoup plus dans le hardcore, le hardstyle, l'art tech et compagnie. Enfin, je sais pas si c'était la semaine passée, j'ai passé de l'art tech pendant le live. Ça a l'air d'être une grotte de merde. Ah, on a dû faire. J'étais Creeper. Oh, quel noob. Oh, quel noob. Chouam doit faire un rap, sérieux? Est-ce que c'est pour que tout le monde aime? Ouais, bah j'imagine bien, hein. C'est pour ça que j'en passe pas en permanence sur mes streams aussi, du hardcore, hardstyle et compagnie. Mais ça m'arrive quand on y est assez tard et qu'on discute musique avec les gens, que je leur fasse écouter ce que j'écoute d'habitude. Bah d'ailleurs, si t'aimes ce genre de musique, est-ce que t'as déjà eu la chance d'aller à Tomorrowland, Vinsteck? Parce que ça c'est pété. Alors ça, c'est les plus belles vacances que j'ai fait Tomorrowland. Alors maintenant, après, apparemment, ça a un peu changé, c'est devenu un peu de la merde. Vu que les habitants du village d'à côté sont montés au créneau, ils ont... Et on dit stop. Mais moi, j'y suis allé 2000... J'y suis allé 2012-2013, je crois, ou 2013-2000... Non, 2014, c'est l'année passée, non. J'ai fait 2012-2013. Et c'était complètement pété. C'était incroyable. Les plus belles vacances que j'ai jamais fait. Vraiment, hein. Vraiment, c'était incroyable. Allez, un peu de table de craft, on va scrapter quelques fours, j'ai pas beaucoup de cobble, deux fours, j'ai laissé mon autre four derrière, j'ai mis des trucs à cuire dedans, bon. On va faire cuire le fer quand même, et on va descendre. Beaucoup de festivals soirées dans le sud, bah en fait moi j'ai regardé un peu ce qui se fait aux alentours de Grenoble et honnêtement, rien du tout. Y'a rien, moi j'ai tellement envie de me refaire une soirée, une vraie grosse soirée hardcore. J'en ai fait pas mal. Mais ici à Grenoble, c'était vachement plus actif sur la scène hardcore hardstyle en Suisse qu'à Grenoble. Après, faut peut-être savoir où chercher, j'ai encore jamais trouvé, mais c'est aussi tout à fait possible. Bon, on va se faire les bouquins. Hop, on va se débarrasser de ça, de ça. Récupérer ça, c'est faire une pioche. Et une épée. Tac. Et tac. Nickel. Le Dominator Festival, c'est pas en France. Non, le Dominator, c'est en Hollande, je crois. Aux Pays-Bas. Il me semble, mais en gros, si vous voulez faire un festival hardcore, hardstyle, il faut aller aux Pays-Bas. Voilà, c'est là-bas que vous avez la DEFCON, c'est là-bas que vous avez justement les Dominators, que vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Q-Dance. Merde,
comment ça s'appelle les... Il y avait deux gros festivals. Alors, je sais pas si ça existe encore. Il y avait deux couleurs, en fait. Il y avait black and white. En gros, la black, c'était tout ce qui était hardcore. Et la white, c'est tout ce qui était électro, tech, minimal et compagnie. Mais ça a un nom, c'est là. Oh, je sais plus. Je sais plus. Ça avait l'air assez OP. Ouh, une jolie crevasse. Enfin, une jolie grotte. On a de l'or en plus, magnifique. Non, j'habite à 2 heures de là. Près de Shorty, d'accord. J'ai entendu quelqu'un, j'y arrivais. Je crois que j'y arrivais. Peut-être que je fasse fond de mon stuff quand même, parce que je suis encore à poil là. Fond de mon fer. Mais j'ai pas tout récupéré. J'en avais plus de 40 de fer. Da fuck. Je l'ai oublié derrière. Là. Parce que c'était où d'où je venais. Je crois que je l'ai oublié derrière. Ouais, y'a tout qui se fait en Hollande, on est d'accord. Je venais d'où? Là, le plafond. Là. Je crois que j'ai oublié du fer derrière. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, voilà. Oublie pas Nether. Non mais je sais qu'il faut aller Nether, je sais. Je sais pas si j'aurai le temps, mais je me stuff et je m'enchante d'abord. Hop et hop. Alors, 13, je peux me faire le plastron et le... Pas le pantalon avec ça encore. Plastron et le casque. Oh, je fais le pantalon et le casque, du coup, c'est pas grave. Tac. Je vais l'explorer rapidos par là. Si on n'a pas de l'or. Le fer, je pense qu'on en a quasiment assez. Hein. Ouais, on va essayer de fixer sur le chemin. Ok. Et mon XSplit qui est toujours buggé avec mon compteur qui affiche 31 viewers. Alors vous êtes 118. Vous êtes 118. Bonsoir. Et du coup alors Vince, si ça te va. Un peu de trance aussi. Ah, je suis moins fan de trance alors. C'est... Avec la drum, c'est ce que j'écoute vraiment le moins au niveau électro. Et ouais, Vince, si ça te va, je te laisserai faire la pause. 5 de pause si tu veux ou pas. Mais en fait, j'ai mon XSplit qui est freeze, donc je peux plus changer de scène. Donc je couperai, pas brusque, je vais dire au revoir correctement et tout, mais il n'y aura pas l'écran de pause transition pour le cut. Parce que ça veut dire que je devrais couper le stream, relancer XSplit, reprendre le stream pour pouvoir mettre l'écran de pause. C'est pas très worse, je pense. Plastron, il manque les bots. Il manque un dernier petit fer, voilà. Et on est full stuff. Il me faut encore juste un soda là. Et on est bon. Pas de soucis, ça marche. Salut Mister Brocher. Putain, j'arrive pas. Attendez, je vais remettre le chat en normal parce que j'ai le chat en chroma là. J'arrive pas à le lire correctement. Voilà. Normalement, je serai sur Paris pour RPGW. Tu vas prendre ton encyclopédie gamer. Bah, ça marche. Non, mais attends, j'ai quand même bien fait mon éducation depuis que je suis dans le gaming. Hein. C'est juste qu'il y a quelques grands jeux auxquels je n'ai jamais joué. J'ai quelques lacunes à ce niveau-là, oui. Mais globalement, j'ai quand même fait pas mal de trucs. Et bon, j'ai joué à Minecraft, donc j'ai joué au meilleur jeu de tous, donc ça va, au pire. Je vais chercher la flotte et on va descendre. Ouh, pinaise, merci beaucoup. À qui? À toi, Mr. Kaku, pour ton tips via YouPass. Je crois que je vais me calmer avec les dents avec YouPass. Ma facture est à 150. J'avais prévenu. Mais le mec, pour me dire que sa facture est trop... Est trop trop salé, il me fait un tips encore. Hop là. Merci Mr. Kaku en tout cas. Mais j'avais prévenu hein, que ça douillait un max les tips via YouPass. Merci. Et mais Kanjo, en fait, le problème n'est pas. Il vient pas de là. En fait, le seul problème. Le problème, c'est que la dernière version de XSplit, elle freeze, elle bloque complètement dès que tu switches de scène trop rapidement.
J'ai vu ça sur le site de XSplit. Et du coup, bah, comme un tard, je change de scène trop rapidement. Mais après, j'arrive pas à le reproduire. Des fois, je peux spammer les scènes, y a pas de souci. Et des fois, je peux pas spammer les scènes. Je change simplement d'une scène à l'autre et ça bug. Donc, je sais pas d'où ça vient. Tout le monde sait que le meilleur jeu, c'est Guild Wars 2. Alors, est-ce que tu dis ça par hasard? Ou est-ce qu'on se connaît d'un ancien stream et où tu avais un autre pseudo, Elphoris? Dis-moi, parce que... Alors, réponds déjà à la question, et en fonction de ça, je te dirai pourquoi je dis ça. En fonction de ta réponse, je te dirai pourquoi je dis ça. Un petit peu d'or. C'est pour ça que j'ai switch sur Wirecast. Wirecast est vraiment aussi bien que ça. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai encore plus d'un an de licence XSplit, donc ça m'emmerde. Alors, est-ce qu'on a du diams? Non, je peux pas, je suis à quelle couche en fait? 11, c'est bon. T'as pas ce problème toi, Conjo? Avec XSplit? Et t'as fait la mise à jour pour la 2.5? Je sais pas de quoi peut venir le problème en fait. J'avais pas eu un lac de lave par là. Seulement parce que moi je stream du Guild Wars 2 sur Gaming. Ah d'accord. Non, alors pour tout expliquer en fait, j'avais un viewer, ça fait un petit moment, c'était il y a un peu plus d'un an, j'avais un viewer qui chaque fois, mais alors chaque fois qu'il venait, il me spammait, c'est quand tu fais du Guild Wars 2, c'est quand tu fais du Guild Wars 2, etc. Et en fait, il a saoulé tellement tout le monde qu'il a fini par se faire ban et il a rage quit. J'ai jamais plus entendu parler de lui. C'est pour ça que je dis ça en fait. Perso, j'ai jamais été trop MMO, donc Guild Wars 2, j'ai jamais tenté en fait. J'ai fait un petit peu de WoW. En fait, WoW, je suis sûr que j'aurais croché comme un malade si j'avais joué dès le début. Mais comme j'étais pas gamer à sa sortie, bah non. En plus, on s'informe pas de ses teammates streamers. Mais pff, attends, je vais pas me rabaisser pour aller voir les petits streamers. Attends, vous êtes qui là, honnêtement? Attends, moi je suis un des plus grands streamers Minecraft et tout, je m'en branle les autres. Hein. Oh. Oh de l'or! Oh de la lave, attention. Non, je déconne. Non, effectivement, je t'avoue que je ne connais pas encore tout le monde sur gaming. Je découvre au fur et à mesure, je passe. Quand j'ai le temps de regarder les streams, je passe. Je regarde, je découvre. Alors, je n'aime pas forcément tout ce qui s'y fait. Mais je. Petit à petit, et ça fait une semaine que je suis sur au gaming. Hein. Puis moi, tant que c'est pas du Pompétude, ça m'intéresse pas de toute façon. Tant que c'est pas du LOL. Non, tant que. Non, je rigole. Évidemment. Allez, voilà, c'est bon. Encore de l'or, mais toujours pas de diamant. Toujours à la couche 11. Donc c'est la bonne couche pourtant. Please. Faut refaire depuis le site si vous avez soucis de freeze. Qui? Non, ça, tu parles pas d'XSplit là, Conjo. T'aimes bien moi? Bah, en fait, je t'ai jamais vu Vinsec en stream. Bah, je te découvrirai du coup. Je te découvrirai juste après pour tes mix. On va voir si tu fais de la bonne musique ou pas. Oh putain, y'a une witch. Oh, ton père y'a une witch. Ton père. Enfin, sa mère plutôt y'a une witch. Je me casse. Elle m'a vu, la te pu. Ah, yes, elle crame. Reste loin. Reste dans la lave. Meurs. T'as laissé à venir me voir sur Isaac, n'empêche. Ouais, j'avoue quand je joue. J'avoue. Non, mais je t'avoue que j'ai entendu parler de toi uniquement parce que les mecs du Toll parlaient de toi. Hein. Pas que en bien, par contre. Je pense que tu dois être au courant. Mais... Oh la pute! Putain, elle s'en est sortie. Salope. Salope de Brigitte. Elle est où? Putain, attends, mais je suis sûr qu'elle arrive à m'atteindre encore là, c'est ça? Je vais me prendre une flèche, je vais die. Je vais me prendre une flèche d'un petit archer au calme et je vais die. Je le vois venir gros comme une maison. Elle crame pas les witch? Sérieux? Non. Ah oui, c'était. Ah ok, alors si c'était toi juste avant, bah je suis arrivé il y a un petit quart d'heure avant. Mais alors par contre, je t'avoue que les nouveautés techno, ça m'intéresse. Mais alors, ça m'en touche une sans secouer l'autre, comme disait l'autre. Donc, ouais. C'est quoi le principe de la witch? En gros, c'est une sorcière, elle balance des potions.
et notamment des potions de poison. Et le problème, c'est que comme on est en UHC, donc c'est le mode de jeu sur lequel on est, on ne régène pas les cœurs, sauf si on a des pommes en or. Donc c'est très très dur de régène. Les potions de poison, elles te descendent à un demi-cœur. Donc en gros, ça pue la merde, les witch. Donc c'est à peu près l'ennemi le plus relou du jeu dans ce mode de jeu avec les Cave Spider qui, pareil, quand elles te mordent, elles ont Fire Resistance, je savais pas les witch. Quand elles te mordent, les Cave Spider, tu as poison. Parce qu'elles sont, elles sont venimeuses. Parle tellement mal de moi sur les chaînes concurrentes, moi j'aime ça. Ah ok, bon, tant mieux, si t'es au courant et si tu l'acceptes, si tu es comme moi en fait, et quand on parle mal de toi, ça t'en touche une sans secouer et l'autre, et voilà, bah tant mieux. Enfin, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Parce que il y a un petit con de streamer Twitch sur Minecraft qui insulte tout le monde, toute la communauté Minecraft, machin. C'est monsieur, je suis un pro gamer sur Minecraft. Monsieur, je mets une crouch cam quand je joue à Minecraft, vous voyez, genre, pour qu'on voit sa souris. Lui, il crache absolument sur tout le monde, il insulte, il raid même. Moi, deux fois, il m'a raidé sur ma chaîne Twitch pour dire as de pute, machin. Mais alors, moi, ce que ça peut m'en toucher une sans secouer l'autre, c'est ça qui est rigolo. La bluestone. Quelle bluestone? Y'a pas de bluestone. Je vois pas de quelle stone tu parles en tout cas. Et par contre, c'est vraiment la dèche niveau diams là. Ouais, il a raid Dralias aussi. Bah, il a raid masse de monde. Hein. Vraiment masse de monde. C'est une petite pute. Un petit gamin, c'est un petit gamin de 18 ans qui se sent plus pété parce qu'il a 2000 viewers. Mais bon, ne parlons pas des choses qui fâchent, je vais encore me faire raider. J'ai pas envie de que O'Gaming se fasse raider par monsieur. Alors, couche 12, couche 11. Et fuck. Putain, sa mère. Tac et tac. Ouais, c'est ça, Kanjo. Y a une chanson de Headhunters. Une piste de Headhunters qui est un DJ. DJ Hardstyle, justement. On en parlait tout à l'heure. Où la piste son dit You hate me or you love me, fuck it. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement. Faut faire un enchant dans les heures. C'est vrai que je pourrais. Quelle heure il est? Il est 22h18. J'ai mis 45 minutes de stream. On peut, ouais. Ah, attendez, j'ai de l'or. Je vais crafter des pommes en or. Alors, je vais crafter les pommes en or et go nether non enchant. Dans tryhard comme ça. Mais je vois déjà bien les. Non, mais quoi que Vindark est pas là, donc y a pas les gros tryharders. Mais allez, on va se faire un petit nether. Nether de la balls. Ah mais c'est exactement ce que j'ai fait quand je vois. C'est exactement ce que j'ai fait. En gros, je faisais un petit stream sur... C'était 3h du mat. Je faisais un stream sur... Banished, qui est un excellent jeu de gestion. J'avais quoi? J'avais 70-80 viewers. Donc pas énorme par rapport à ce que je peux faire. Et tout d'un coup, pouf, 500 messages. 500 personnes sur le chat. Insultes dans tous les sens et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai lancé 5 minutes de pause. Voilà, et c'est bien passé, hein, et du coup mes viewers sont restés pour la pause, pour enjoy la pause, et du coup, les viewers de Georges m'ont rapporté du pognon. Voilà, bon après c'est pas avec le CPM de Twitch que je vais gagner des 1000 et des 100, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs justement, quand ce genre de choses arrive, première chose que je dis c'est merci les viewers de monsieur pour le pognon. Ce que je ne dis pas, mes viewers, bien évidemment. Parce que pour mes viewers, je fais des streams pour les viewers. Je fais pas des streams pour le pognon. Tandis que pour les gens qui raident, je fais du stream pour le pognon, évidemment. Et... Oh putain, ça va pas plus. Explore la grotte. Oui. De toute façon, j'ai pas de flints, donc va falloir que j'aille chercher. Mais t'es sérieux, la source d'eau, là? Elle est où? Merci. Allez, hop. Là, on est bon.
On va un peu regarder ce qu'il y a autour, mais j'y crois à mort, pas du tout. Et on a que dalle. Tu connais le jeu Crusader Kings 2? Oui, mais j'y ai jamais joué. Y'a rien, y'a rien. Allez, j'ai une pomme. De quoi faire une pomme. Donc on va faire une pomme. Faut que je fasse cuire un peu de viande aussi, et après on y va. Ah mais non, ah ouais non, en fait j'en ai pas mal. J'en ai pas mal, j'ai une deuxième pomme. C'est très très bon tout ça. Merde. Putain, alors par contre il y a des lags bizarres. Et... merde, il me manque un pour faire une dernière pomme. Allez, un petit peu de viande. Un petit peu de viande et on y va. Non, merde, il me faut du flint. Il me faut un flint. Est-ce qu'on a du gravel par ici? Je ne crois pas. Non, pendant que ça cuit, on va aller chercher un peu de gravel dans la grotte avant. C'était pas où, là? C'était là. C'est vrai que toi, tes viewers, c'est des connards. Conjo, c'est vrai. C'est chaud, c'est chaud, c'est bon. Ah, un petit, ou petit peu de gravel. Donne-moi un flint. Non. Donne-moi un flint. Non. Je vais devoir tryhard avec deux. J'entends un squelette ou... Non, je peux jouer avec. Peut-être la musique. Il est passé où l'autre? C'est tellement bugué. Ouais mais il y a masse de monde qui meurt dans la lave, donc on va croiser du monde. Hein. On va croiser du monde. Donne-moi un flint. Merci. Il y a un zonzon. Il y a un bibi. Il y a un zombibi. C'était là? Oui, c'était là. Allez, go! Go, go! À manger, à manger. On met l'inventaire correctement. Torche, le seau de lave, on va le remplir. On va manger un coup et on peut y aller. On peut y aller. Je vire ça, je vire ça, je vire ça. Qu'est-ce que je vire? Ça et ça. Ça. Et on y va comme ça. Allez, c'est parti. Manquez qui? Quel était ce bruit? Ok, il n'y a plus de joueurs qui a de booster. Ok. Alors, nous ne sommes pas les premiers puisqu'il y a déjà un portail. Je note les coordonnées. Ok. 22 minutes. Surprise, motherfucker. M'a pas vu. Il n'était pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Par contre, je suis en feu. Je suis en feu. Et c'est le kill. Allez, putain le gank. Putain le gank. Merci pour le P1. Ok, il avait 2 P1. Alors, attendez, je vais m'équiper quand même de lui. Il faut que je loot le stuff. J'ai 5 pommes d'or. Oh, c'est pété. Merci pour le P1. Merci pour la pioche en diams. Merci pour la Fire Aspect Tier 3. Putain, ouais, il a fait mal. Elle a fait très très mal. Allez, pour une fois que c'est moi qui peux prendre quelqu'un en traître, ça fait du bien. On vire. Il avait du diamant, il avait des trucs en diams. On vire. Sharp 1. On vire. Protection 1. Voilà. Ça, c'est du bon. Et voilà qu'on est bien stuff. C'est qui que j'ai buté? GG à... Ah bah c'est Pingjet, celui qui était à côté de moi au tout début. Ou celle, je ne sais pas. M'en fous, ça c'est fait. Ça je vire. Ok. Bah du coup c'est bon au niveau enchant, hein. On a ce qu'il nous faut. On a ce qu'il nous faut. Je vais peut-être brûler le stuff quand même. Non, je vais pas le brûler. Je vais pas le brûler. Il avait une enclume. J'ai 11 levels, donc c'est parti. P2. P2. P1. P1. P2. C'est le T.
Ouais, alors l'arc par contre, mais t'es pas enchant mon gars, tu m'as raté. T'es mort. T'es mort. GG. Et de deux. Merci pour ton stuff en tout cas, Pinja. Je sais pas si t'es sur le live, mais merci pour ton stuff, il pique un petit peu. J'ai trop de sauts. Beaucoup trop de sauts. Mais lui, ça, merci pour ton arc du coup à toi. Tac, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Toujours 6 pommes d'or et je suis nouveau full life. P1, sharp 1. On a du beau stuff, on a du beau stuff. 14 flèches seulement. Il va falloir plus. Vire, vire, vire. Ouh, il y a de quoi faire un. Ok. Non, c'était une particule, c'était pas un mec. J'ai viré du flint ou j'ai rêvé? J'ai viré le flint. J'ai récupéré le flint. Les os, je vire. Les deux briquets, là, je vire. Ça, j'ai gardé pour les enchantes. Ça, je vire. Ça, je garde. Ça, je vire. Ça, je vire. J'ai tout ramassé ici. Ok. La source de lave, je vais peut-être la couper. Un bloc de fer, parce qu'on est riche. Ici, ça, c'est ce que j'ai viré. Alors, niveau enchante. Comment retourner une game? C'est exactement ça, ouais. Après, c'est du bol aussi, hein. Alors, attendez, niveau enchant, donc j'ai une sharp 3 fire aspect, P1, P2, 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 donc je peux mettre du P2 sur mes bots. On va peut-être garder le bouquin enchant P. Là, je vais plutôt prendre la table d'enchant et la poser là et enchanter des bots. Je vais d'ailleurs les réparer les bots. Non, on a suffisamment de level dans le nether. Enchanter ça P1. Hop, et du coup, bot P2, nickel, on a les bots P2. Maintenant, niveau enchant, le bow n'est pas enchanté, donc je vais y mettre du level. Évidemment que du power 1. Ok, et maintenant, des bouquins, il y avait pas mal de bouquins. 11 livres, sharpness et protection. Vein of Arthropod Efficiency, c'est de la merde. Il me faudrait du... Je peux mettre P3 sur le pantalon, éventuellement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. J'enchante des bouquins. Ou que j'enchante un plastron, je vais enchanter un plastron. On va mettre du level dessus. Et un. Merde, il me faut 5 levels. Je vais même pas trahir les potions. Hein. Pas le temps et pas la nécessité vu le stuff. On va plutôt mastrayer les enchantes et ça va le faire. Il nous reste 30 minutes, il reste 17 minutes en game. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Tout va bien se passer, on va pas trop s'éloigner non plus quand même. Allez, j'ai mes 5 levels, donc c'est bon, je vais pouvoir mettre du coup là-dessus P1. Ok, il me reste 3 niveaux, ça va pas suffire, il me faut 4 pour celui-là. On y va comme ça, je récupère ça, je récupère ça. Et on va se tirer à 6 niveaux, 6 pommes d'or, pardon. 6 pommes d'or, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que la grotte est complètement pourrie. Il n'y a rien du tout ici. Là, il n'y a rien du tout. Complètement pourrie, cette grotte. Et ça, c'est la merde. Ah, il l'avait rebouché, lui, le portail. Bah, ça m'arrange. Bon, bah, on va essayer de retourner à la surface. Ne pas faire ça, voilà. C'est tout ce qui me reste comme bloc, donc je peux mettre que du bloc de fer. Enfin, j'ai récupéré un peu de bloc comme ça. Place dans l'inventaire, on va virer... Ah non, si, il me reste plein de bois et plein de tables craft. Je vais virer, 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 je vais virer... Le sucre. Zef. Ah, j'ai de quoi crafter encore une pomme en or en plus. Ah mais Vindark est dans la game. Mais oui, Vindark est dans... Putain, mais c'est pas vrai. Bon, ça va cramer, mais c'est pas grave. C'est provisoire. Ah, j'avais pas vu que Vindark était dans la game. J'ai tué 2 personnes pour le moment. Non, là il y a encore de la lave, mais c'est pas possible, merde. Alors que normalement elle est super rare et éparse. Mais t'es sérieux? Ah mais je dois être sous un lac de lave en fait. Ça doit être ça. Voilà.
Je dois être sous un lac de lave et du coup c'est la merde. C'est la de meilleure. Du coup on va se tirer un petit peu tout droit. Salut Dungrim. Je vais essayer, je vérifie s'il n'y a pas des gouttelettes de lave qui coulent, mais j'ai pas l'impression là. Normalement c'est bon. Mais non, 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 y a bien un lac de lave. Ouais bah c'est la merde, c'est la merde. Il reste 14 minutes et je galère comme un con. Ne serait-ce que sortir d'une petite grotte mouette. C'est relou. On va voir si ça link. Ah, salut toi. Oh tu vas prendre cher. Oh tu vas prendre cher. Non non, le saut de l'avenant. Sa mère. Je l'ai eu. Oh putain, c'était limite. C'était limite. En fait, il est arrivé pile en même moment que moi. Ah, c'est bon. Ah, il avait des pommes d'or en plus, ça c'est cool. Par contre, j'aimerais bien qu'on m'éteigne. Éteignez-moi, éteignez-moi. Attendez, je vais retourner dans l'Overworld, je vais aller m'éteindre et je reviens. Non, ça va pas linker. Non, c'est bon, je suis plus en feu. Parfait. Alors, il a masse de flèches. Bon, du coup, ça, je peux virer, je vire. Il était pas en chance. Je vire. 6 d'or, ça c'est bien. Ça, je vire. Personne, c'est bon. Ça je vire. Oh ça fait 3 kills. Trop de fer. Du coup ouais. Ce fer là je vais le virer aussi, un stack de fer qui est balancé. Ça je vire. Il n'y a personne parce que là c'est dangereux, si en poussant la lave c'est la mort. Qu'est-ce qu'il y avait là? P1, ouais ça met 2 P1. Je mange encore une pomme hein. J'ai de quoi en crafter. J'ai pas mal d'or, j'ai 29 d'or et 4 et 5 pommes. Plus de l'or non cuite, j'ai vu. 6. Je vire. Ça du coup je vais virer parce que je vais avoir bien assez de flèches. J'en ai un stack et 4. 5 diamants, bah je peux me faire un casque. Il n'y avait rien d'autre d'intéressant, c'est bon. Un casque on dit un casque. Qui dit mieux? Un casque en diamant. Ah mais j'ai 8 levels. Attendez. Je vais refermer vite fait ceci. Alors, on va crafter déjà les pommes. Hop. J'ai pas de cobble pour crafter les fours, mais c'est pas grave. Il me faut ceci. Le casque. L'APS. Protection. Hein. Et un petit casque en fer. Tranquillou. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas un enchant sympa sur Efficiency Power. Ouais, je peux prendre Power. Et il me faut mon enclume. Power. Voilà. Et du coup, je peux me mettre également un petit P2 sur le casque. Puisque j'ai un bouquin. Mais non, j'ai plus assez de level. Combien il me faut de niveau là? 2. Je vais quand même brûler tout ce bousin là. Tout ce merdier. Voilà. Et je peux, cette fois-ci je peux, c'est bon, j'ai le droit ou pas? Cherche un cheval à deux. Ouais, un cheval. Un cheval, oui, je vais chercher un cheval. Il n'y a personne par ici. Ça, c'est un portail moulé. Ok. Bon, du coup, nous disons. Qu'est-ce qu'il me fallait, moi, je sais plus maintenant. Du niveau. De l'or. Peut-être faire fondre mon or aussi. Putain, il y a encore quoi faire une pomme en plus. Nice. Le Nether, c'était le bon plan. Je plus soi, effectivement. Je suis à 3 kills. J'ai du stuff de pété. A plus, Dita, bonne nuit. Et vous y voyez comme à travers une pelle, c'est normal. Je n'ai pas de torche. Je voulais du niveau. Des enchantes. Comment je peux faire pour linker sur un autre portail? Je pourrais pas.
Tiens, petit bug de... Petit gros bug même. Attends, il me faut de la cobble. Faire fondre toutes mes pommes. Tout mon or. J'ai de quoi encore faire deux pommes. J'ai rien pour alimenter ça. Allez hop. Le saut de larve. Et ouais, mais il faudrait vraiment du niveau pour pouvoir faire du P3 et compagnie quoi. Et même Sharp 3, si j'étais sur une bonne grunge, je pourrais me faire une Sharp 4 avec le Fire Aspect. Attendez, je vais profiter également pour faire un peu d'or dans mon inventaire. Alors, ça je peux virer. Ça je mets ici. Ah non, j'en ai deux. Bon, ça je peux la virer. Le bois je garde, tout ça je garde. Le briquet, je vais le garder en attendant. Ça, je peux virer. Sharp et protection, je garde. J'ai deux niveaux. Je peux mettre un petit P2 sur mon casque. P2 sur le casque. Merci. C'est pas mal, hein. Mets ton seau dans ta barre d'inventaire. C'est fait. What else? Ça c'est bon, ça on garde, ça on vire, voilà, hop, les bouquins on garde, la canne à pêche, je joue pas canne à pêche, moi je sais pas jouer, ça je peux virer un stack, on s'en fout, ça on garde, j'ai de quoi me faire une pomme, 8 pommes d'or, c'est pas mal, on en a déjà mangé beaucoup aussi, hein. ça je garde, ah quoi que non, attendez, plus d'un stack de flèches, si je vais quand même garder les plumes, ça je garde, et je vire la viande. Et on est bon. Hop. Et... Joue canne à pêche, mais je sais pas jouer canne à pêche en fait. Hop, 9 pommes d'or. Juste que je pense à les manger. Là, je récupère ça, on va attendre que ce soit fondu. Fait tab. On n'est plus beaucoup en plus. Bon, il reste que 8 minutes. Aïe, attendez, il y a un peu de redstone là. Merde, je peux pas miner ici. Et c'est pour ça que ça peut pas venir en fait. Je pense à cause du portail. Allez, on y retourne. Je vais aller voir s'il y a pas quelqu'un qui traîne. Jouer canne à pêche en fait, c'est une strat PVP. Il y a une technique en PVP pour fighter à la canne à pêche. Merde. Et en gros, en fait, si tu fais clic droit avec la canne à pêche, avec... Putain, c'est vrai. La canne à... Ça marche pas. Bon, on va retourner dans Overworld, je vais chercher un canne à... Je vais chercher un canne à 100. Ouais, donc, jouer avec la canne à pêche, c'est-à-dire... Tu donnes un coup avec la canne à pêche quand le mec il a 3-4 blocs de toi, après tu switches très 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 vite sur l'épée, tu donnes un coup d'épée, et tu fais ça en boucle, et en fait le mec n'est jamais à portée de toi, il peut jamais te frapper alors que toi tu le butes. C'est beaucoup joué sur les serveurs beaucoup plus PVP, type Koi et compagnie. Enfin, Bad Lion et compagnie, donc voilà. Mais moi, j'ai une fois, Fukai m'a vraiment expliqué exactement comment ça marchait. Je vous avoue que j'ai pas tout bité, donc... Donc voilà. Et oui, c'est risqué également comme strat, effectivement, parce que du coup, tu déséquipes de ton épée une fraction de seconde. Donc c'est assez chaud. Moi je sais jouer canne à pêche, dit iMoods. Ouais, mais iMoods, toi tu meurs sur un creeper, donc bon, ça sert pas à grand chose du coup. Alors il fait noir, je suis désolé, hein, je suis en train de miner un peu de charbon pour l'XP. Voir si je peux pas me faire un petit P3 en arc, ça pourrait être bien. Come on! Ah, j'entends du mob, si je pouvais le buter, ce serait bien. Et je vais retourner dans le Nether pour la réduction des murs, comme ça je serai un peu TP plus proche que je suis où. Ah non, ça va en fait. Non, j'ai rien dit. Allez, où est le squelette? Où t'es, squelette? Ça se code dans 6 minutes 20, les murs commencent à diminuer. Et tous ceux qui sont dans le Nether sont TP dans l'Overworld. C'était où qu'il y avait un mob? Plus haut?
C'est à gauche. Par là. Ah, en plus on a le charbon. J'y vois que dalle. Donne l'XP. T'es comment en stuff? Bien. Bien en stuff. Presque full P2E avec casque et pantalon en diams. Épée sharp, 3 fire aspect. On est pas trop mal. Alors, ceci et ceci. Voilà. Bouquin. Qu'est-ce qu'on a de beau? Power 1, protection. Alors attendez, je vais juste vérifier. Protection 2, P2, 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 ouais. What? Putain, c'est quoi ces bugs? Ça, c'est combien qu'il me faut? 4 levels pour faire un P2, ouais. Et là, pour faire P2 et P2, pour faire un P3, c'est 5 levels. 5 levels. Place en P3, ça peut être pas mal. Ouais, j'ai pas trouvé cette saloperie de squelette, par contre. Je sais pas où il est. Il est pas P2, mon casque? Si, si, il est déjà P2, mon casque. J'ai mis le bouquin dessus. On a du fer. J'entends les mobs pas loin, là. Attends. Non, mais le nether est pourri, je suis sous un lac de lave, en fait. C'est pour ça que j'y vais pas. C'est la merde. Ouais, surface, cheval. Oui, aussi. Mais j'aimerais juste encore un tout petit peu de niveau pour... 5 niveaux. Il me faudrait 5 niveaux. T'as déjà joué sur Bad Lion? Oui. Sur les UHC préparés. J'ai joué avec Fuka et Skinez. Allez, le charbon, le fer je prends aussi. Alors ça c'est la phase chiante qu'on a pas le nether. Après je coupe le live iMods. Après je couperai le live, je regarderai le live du coup de Winsteak. Bon, t'es où, saloperie de squelette? Je t'entends en plus. Ou alors c'est la musique peut-être. Mais non, il est bien quelque part par là. Juste au-dessus. Ah là, il est là. Mais non, je suis con, c'est ma propre grotte, ça, bordel. Bon, et fuck it, hein, surface. Surface. Avant tout, un petit peu d'enchant, on va voir. Je vous remets la musique aussi juste après. Un petit ch'touille d'enchant, power 1, protection, power 1, il est pour 4 niveaux. 4 niveaux, et actuellement, j'ai un P2, je crois. Hein. Ouais, j'ai déjà un P2. Deux bouquins P1 pour que ça marche. Pas de modo ce soir, As2. Si, ce sont les modos Dogaming qui sont là. C'est pas moi qui gère les modos. Et il y en a des modos. Ah bah voilà, putain. C'est pas trop tôt. Mob, s'il vous plaît. Ah, un peu de niveau. Je veux du sang. Ah, salut toi. Oh, il a dû me voir ou m'entendre. Tant pis. C'est pas ça que je voulais, c'est ça. Mais du coup, je sais qu'il y a un mec autour de moi, là. Ça. Il est là-bas en bas. Je l'ai vu. Non, c'est pas le Sharp 1, c'est Power Power. Il me faut deux niveaux pour le bouquin Power 2. C'était pas lui que j'ai vu avant. Ça veut dire qu'ils sont deux. Je pense qu'ils sont deux. Allez, deux niveaux, please. Deux niveaux.
pouvoir le faire. Il faut quoi, il me faut 4 ou... Non, il me faut 5 niveaux pour mettre le bouquin dessus, je crois. Ouais, 5 niveaux. J'en ai un, ça va le faire. Je sais qu'il y a les mecs pas loin en plus. Et après, on va se barrer et chercher des chevaux. Oui, les murs se réduisent, mais c'est bon, je suis à 300 blocs des murs encore. Donc j'ai de la marge. Juste le temps de prendre les 5 niveaux là et on est bon. C'est chiant, ça donne 0 d'XP, ça c'est de la merde. Non, le chat, reste où tu es. Je suis occupé là. 4. 4 niveaux. Allez, commande. Moi, la paix, le chat. Bonjour, le minou. Je suis de retour ici. Allez, encore un demi-niveau. Là. Ça rend que dalle. Il n'y a pas de call. C'est bon, on a ce qu'il faut. On va avoir 3. Parfait. Allez, on va à la surface. Et cette fois-ci, on a ce qu'il nous faut. Je suis au couche 49, donc ça va, je suis bientôt à la surface. Ouais, c'est ça, les murs se resserrent. Et en fait, parce que le terrain de base est limité. Les coordonnées, c'est plus 1000, moins 1000 max. Il y a deux côtés. Et en fait, le terrain se resserre jusqu'à ce que tout le monde se croise et que tout le monde meure. Jusqu'au dernier. Voilà, le soleil, je l'ai vu, non? Alors, j'ai pas vu de la lumière. Presque. Ah bah, je suis toujours dans le niveau. Ah bah, attendez, il y avait des chevaux pas loin. Si je suis où je pense, il y avait des chevaux. Par contre, c'est chiant si je suis sous une des montagnes. Non, c'est bon. On y est. Par contre, j'ai failli prendre des dégâts de suffocation. Il y avait des chevaux pas loin. Il y avait des chevaux, c'est ici que j'ai spawn. À peu près, oui, il y a le marais là. Ah, il y avait des chevaux, si je les ai pas tous butés. Non, mais je les avais pas tous butés. Ah, c'est... Oui, c'est plus 1000 moins 1000, ce qui fait 2000 de taille. Ouais, du coup, ça, c'était combien de niveaux qu'il me faut pour ça? Il n'y a personne. Combien de niveaux il me faut? 5 niveaux. Ouais. Ouais, je vais le garder, mais j'y crois mort. Pas du tout. Alors, attendez, ça je vire. Ça, les 38 de fer, je peux virer. Le saut ici. Des blocs ici. Ça, je vire. Ça, je garde. Il n'y a personne autour. C'est bon. Je vire les nonos, on s'en fout, on n'aura pas de chien. Hop, hop. Et hop, on est bon. On est bon. Et on cherche maintenant les chevals. Des chevals. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est... Plus 1000, moins 1000. Toujours pas de projet sur Nantes. Non, toujours pas. Non. Toujours pas. Attendez, alors c'était où? Ah putain, on a les murs. On a le mur et c'est... Ouais, c'est pile là-bas qu'il faut que j'aille. Non, je veux des chevals. Pas des chevaux. No need des chevaux. Ah, mais biome Messa de merde. Bonjour, y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Un chevau, des chevals? Bah oui! Alors, combien on est? On a encore 9.
Niveau PV. Ah, il y a Camille qui est là aussi, j'avais pas vu. Camille et Vindark sont là. Vago, celui qui perd en FK. Ok. Air Was. Jackie Blanc qui a plus beaucoup de PV. Et Astrax qui vient de bouffer une pop-up. Bon, par contre, ça c'est vraiment un biome de merde. Vraiment du biome de merde. Tu t'es arrêté au portail ou comment ça se passe? Comment ça? Portail de quai? Pourquoi dis-tu ça? Quelle heure? Oh putain, il me reste que 10 minutes! Vite! Vite! Go! Allez. Si je trouve pas de cheval, c'est pas grave. On va 0-0, on va faire du kill en 0-0. Bon, si on a un petit bonus cheval en chemin, moi je le prends, hein, mais. Au pire, tant pis. Une minute encore avant la fin du stream. Et 10 minutes avant Vinstech qui fera du mix électro ici même. Allez. Ah bah Celté, Vindark et. Allez, on se refait la même Vindark. On se refait la même. Yeah. Putain mais il est nouveau full enchant hein, ce full jam ce con. Ah le con. Et il a une épée flame. Je tire dans le tas. Hein. Je tire dans le tas. Et putain, il y a du monde derrière. Oh putain, il y a du monde derrière. Et pourquoi il y a un compagnon? Ça, je comprends pas en fait les compagnons. Comment ça marche? Ah, help Vindark, help. Ah. Putain, il y a du monde de tous les côtés. Ils sont des milliers. Vindark qui a fait le kill. Attends, par contre, toi, tu vas prendre la sauce. Voilà. Il peut pas me toucher, il a pas réussi à me toucher. Il s'est raté. Il s'est raté. Voilà. Ça, c'est fait. Ouf. Plastron Diams. Vite. Ok, nice. Oh, c'est chaud. Non, non, on n'est pas en team, non, non. C'est juste qu'en fait, Vindark et moi, quand on se voit, en général, on ne se tue pas. On se met pas en team, on ne se tue pas. Pour faire le fight final, lui contre moi. Ouais, là, il y a encore du stuff en diams. P1. Oh, moi, j'ai un P2. Encore une pomme. Unbreaking, c'est de la merde. P2, c'est de la merde. Power 1, c'est nul. Ça, c'est mieux que la mienne. Astron Diams, il est mieux que le mien ou pas? P1, P1, j'ai pas de level. On débarrasse. Et on brûle. Vous voyez, Vindark qui m'a aidé, il s'est barré. On s'est pas tiré dessus, sans plus. Alors, Jackie Blond, celui qui peut en FK, Aldkiades et Camille. Alors, il y a Vindark. On ne se tape pas, on reste pas ensemble pour faire du combat. C'est juste qu'on ne se tape pas jusqu'à la fin du fight. Bon, il m'a donné un petit coup de main, mais voilà. Alors, où sont les gens? Ah, mais on est même pas en 0-0 en fait. Tout le monde est arrivé ici, mais personne en 0-0. Je suis à combien de kills là du coup? 4? Il me reste 6 pommes d'or. Je vais quand même garder pour le moment. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas du stuff qui est tombé dans l'eau? Dans la coulée de flotte? Ah, quel con. Ah, c'est bon, c'est les makers d'absorption qui ont pris. Ah oui, il y a bien du stuff qui a goûté. Il y a du stuff qui a goûté. Il me faut des flèches, parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien d'intéressant, à part des tas de l'enchantes, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai 4 dehors, j'ai pas de pommes. Donc, on vire, on vire, on vire. On vire, on vire, on vire, on vire. On vire, on vire, on vire. On vire. Tas de l'enchantes, je veux plus faire d'enchantes. Je vais pas faire cuire l'or, donc je l'ai viré, c'est bon. Plus faire d'enchantes, on a dit. Sharpness 1, ça va rien me servir. Et là, on est bon. Ok, go 0-0. Vite! Avant la fin du stream! 4 kills? Ok.
150 blocs. C'est relou les biomes Mesa. Cheval, cheval, cheval. Vous avez eu des chevaux? Ah non, il n'y a pas eu de chevaux. Quel con. Mais quel con. J'ai paniqué en plus. Je trouvais pas mon seau d'eau. Mais quel con. LOL. Champion du monde. Bon, ça m'a coûté une pomme. C'est pas gravissime. Mais ça m'a coûté une pomme quand même. LOL. Merde. Ah, Bondour. Ah bah c'est Vindark de nouveau. Ok, y'a un mec là-bas. Ok, c'est de la merde d'accès. D'où on me snipe? Mon Sodal, il est pas bien là. Là, c'est mis... Attends, comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Hi. Salut là. Salut toi là-bas en haut. Merci pour tes flèches. T'es dans la merde en fait, tout est. Si j'aime. J'ai pas vu qui c'est, je vois pas son pseudo. Celui qui peut en FK. Ok. Il pique mon arc, hein. Un qui pique. Ah, mais attendez, y'en a un de chaque côté. Y'en a un derrière, c'est ça? Ouais. Ah, c'est Vindark. Non, mais Vindark, viens pas vers moi. What? Vindark, il m'a juste mis un coup, le salaud. Juste un coup avec son épée, il s'est barré. Le salaud. Je crois, hein. Ou alors je me suis pris une flèche de l'infini. Je sais pas trop. Salut. Je vais monter et on va jouer à part égale. Oh, cette flèche. J'ai pas vu qui c'était. Allez, là, il faut que je coupe le stream, les gens. Vince, je termine dès que possible. Hein. Je t'assure que je fais tout mon possible pour terminer la game, pour faire le plus de kills possible. Allez, ils sont où? Ils sont en train de se chase, mais je sais pas où ils sont barrés du coup. Où est-ce qu'ils sont rendus? Ah! Ah non, lui il est mort dans le mur. Bah ça c'est pas de bol. Ça c'est pas de bol. Combien il reste de flèches? Ah, j'ai muté des trucs, hein. Et celui qui perd en FK a tué par Vindark. Ok. C'est bon, les gens sont en train de tomber. Comme... Ok, yes. Trois personnes. Bah, Jackie Leblanc, Vindark, Jackie Blanc, Vindark et moi. Ok. Et Vindark n'a pas l'air de régène. Est-ce qu'il n'a plus de pommes? Est-ce que je vais pouvoir peut-être prendre ma revanche sur Vindark? Bon, quoi qu'il en soit, faut venir en 0-0, les gens. Donc, n'oubliez pas, hein, juste après, ne quittez pas, vous avez Vinstech qui va venir mixer de l'électro. Jusqu'à quelle heure, Vince? Je vais essayer de win, hein. On va essayer. On va essayer. Ah si, voilà, Vindark il est remonté. Quelqu'un a fait un bridge là-bas, il y en a qui n'ont pas peur. Hein. Ah 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 ah. Ok, ça va nous être le même combat que la dernière fois. Vindark contre moi, ok. Allez, viens, je t'attends. Popo, non. Pas de popo. Allez, c'est parti. 1 heure. Ok, jusqu'à 1 heure du mat. Très bien.
Ah, tu me donnes une popo? Ok. Qu'est-ce que c'est? Du speed, ok, ça marche. Ah, attends, hop. Nickel. Go. Allez, qu'on en finisse avec cette game. Ah mais lui, il est full jams. Il est full jams. Il s'est empoisonné aussi, non? Et merde, putain! Combien de cœurs? Il venait de bouffer. Putain, GG. Pareil, de nouveau, à rien. À rien, GG, Windark. Putain, ouais, non, mais il était full diams. Il avait du coup deux pièces de diams en plus, je crois. Ou j'en avais... Non, j'étais pas full diams, il manquait juste les bots. GG, bah deux fois, hein. Mais Windark est toujours au-dessus. Il est toujours au-dessus. Bon, écoutez, je m'attarde plus, pas plus longtemps. Merci à tous d'avoir été là. Je vous laisse en compagnie de Vince Dark. Vince Dark, non, putain, je mélange les pseudos maintenant. Vince Tech pour du mix jusqu'à 1h du matin. Pour ma part, on se retrouve demain soir pour du Don't Starve à partir de 20h avec des copines. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée sur Gaming et à la prochaine Cetas 2. Ciao! Et Vince, je coupe.